3-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 
un peu moins d'un an, 9-10 mois. Il arrive avec un bon niveau déjà, Greg. Après, je vois pas les limites qu'il joue actuellement. Il joue 2-3 fois moins cher. Il était très bankroll management, très strict, exigeant avec lui-même. Donc déjà, pour lui amener entre guillemets les aptitudes d'un joueur professionnel, il les avait déjà. Ce qui lui manquait, c'était dans plein de spots les attitudes sur comment expliquer un coup, savoir comprendre un spot, mieux l'expliquer et du coup mieux le maîtriser. Et c'était plutôt là-dessus qu'il y avait du travail avec Greg. Et le fait de lui ouvrir l'esprit sur pas mal de choses et de te faire progresser sur ce domaine-là, ça t'a aidé, même pour envoyer du volume, pour être plus performant avec plus de tables, bah, comme tu faisais avant, mais d'être plus performant avec pas mal de tables en même temps, ce qui te permet d'envoyer du volume online comment dire, et d'être gagnant, etc. Donc ça, c'est très important. Et puis après, voilà, Greg, on en parlait souvent, cette petite recherche de one time, comme on dit, dans le parcours d'un joueur de poker. Le fait qu'à partir du moment où on bosse à fond le jeu et qu'on n'est pas tout le temps récompensé, c'est un jeu de variance. Des fois, on peut arriver à se demander quand est-ce que ça sera notre heure, être un peu impatient. C'est un peu le sentiment humain de tout le monde, hein. C'est un ressenti humain, et puis c'est normal à partir du moment où on bosse à fond le jeu. Mais voilà, Greg en avait besoin, je suis content. Je suis content qu'il l'ait fait, et pour moi, voilà, ça va pas être évidemment la dernière paire qu'il fait. Ça va être la première des nombreuses paires qu'il fera, je pense, que ça soit online ou live. C'est un joueur très régulier maintenant, donc tant mieux. Donc voilà, à partir du moment où Greg il a commencé à mieux maîtriser ce qu'il faisait et mieux le comprendre, ça a tout de suite été x2 ou x3 au niveau de ses gains. Après, là où Greg il fait la diff sur pas mal d'autres qui ont peut-être le même niveau ou autre, c'est que même avec un métier à côté, ce qui était encore le cas jusqu'à très bientôt, il enchaînait comment dire, le travail et le grind. C'est ça, hein, Greg. T'enchaînais réellement, tu t'allais au taf, tu rentrais, et si tu pouvais, tu grindais, tu vois. Et c'est pas facile, parce qu'évidemment, quand on fait déjà 8-9 heures au boulot, tu vois, de rentrer, de refaire 7-8 heures de session, ou 6-7 heures, c'est pas évident, de se coucher tard, des fois, se relever très tôt le matin, tu vois. On en parlait souvent, mais le train de vie, il est pas facile. Donc voilà, donc ça valorise encore plus, sans prétention aucune, tout ce que tu as accompli jusqu'à l'heure actuelle. Et puis pour moi, comme je t'ai dit, je pense que c'est que le début. Donc voilà, je suis très content de la progression qu'a eu Greg. Voilà, c'est comme la plupart des joueurs, on est devenus amis, on s'entend très bien. Et puis évidemment, continue toujours à bosser le jeu, à envoyer du volume, voilà, tout ce qu'il faut faire. Et puis voilà, ça c'est un peu la récompense du travail fourni. Mais que ça aurait été maintenant ou plus tard, moi je reste persuadé que ça serait quand même arrivé, et que voilà, pour que Greg serve d'exemple, je pense, pour pas mal de joueurs, en mode écoutez les gars, c'est peut-être pas votre heure tout de suite, mais elle va forcément arriver. Si pour moi, travail égale récompense. Donc à partir du moment où vous donnez les moyens, vous bossez à fond et vous jouez bankroll management, il n'y a pas de raison que vous atteigniez ni vos objectifs online ou live. C'est le même principe tant que vous êtes bankroll management, que ce soit pour le live ou le online. Voilà ce qu'on parlait souvent avec Greg, de se permettre de faire des shots ou autre, tout ce que j'avais évoqué dans d'autres vidéos. C'est très important, quand c'est le live, de le faire à partir du moment où on se sent prêt, parce que ça coûte tout de suite plus cher que le online. Donc voilà, pour finir, Greg, du coup, après cette perf-là, du coup, tu vas aller jouer début décembre un tournoi à 10 000 euros l'entrée. C'est ça, Du coup, il y aura 1 million à la gagne. ouais. Du coup, comment tu te sens à l'aube de ce tournoi, comment tu te sens? Bon, comment je me sens? Je vais jouer mon tournoi normalement, sans me mettre de pression. Ouais. Comme j'y suis allé quand j'ai fait celui-ci à 2h30. Hein. Donc sans pression, essayer d'aller faire ce que tu sais faire. Voilà. Évidemment, comme d'habitude, ne s'attendre à rien et te concentrer sur la technique et sur le jeu. Après, bon, le reste, ça vient naturellement. Objectif, essayer de faire au minimum ITM. Ça te ferait un min cash à 15-20K, ça. Et après, let's go dérouler, hein. Et après, c'est tout en haut. Donc sans plus tarder, les amis, on va commencer cette review. On va aller sur cette scène-là. Voilà, vous me voyez en plus petit. La photo de Greg, vous la voyez plus. Là, maintenant, vous allez voir Greg qui est ici. Pour évidemment les gens qui ne l'auraient pas reconnu, il est habillé pareil, les mêmes lunettes, donc vous ne pouvez pas vous tromper, les amis. Donc il y a des coups à l'enchaînement. On ne monte pas les coups, évidemment, de tous les autres joueurs. Ça serait trop long. Déjà, la vidéo là va faire à peu près quasiment 2 heures
sans les autres passages des autres joueurs. Donc se concentrer vraiment sur ce qu'a fait Greg, essayer d'avoir à chaque fois son ressenti, s'il avait des infos. Voilà, à mon avis, il y a des joueurs qu'il a dû jouer au jour 1, jour 2 ou jour 3. Là, parce qu'on était au troisième jour à partir de le moment où il arrivait en table finale. Et du coup, super, super cool que le casino Poker Room Kings à Rozvadov mette leur VOD disponible à tout le monde sur Twitch et puisse streamer ces tournois-là. Comme ça, bah, quand on chatte hein, et qu'il y a un joueur coaché comme Greg qui va loin dans un tournoi et qu'en plus qui est en table télé, ça fait du contenu. Donc c'est une pierre deux coups, c'est parfait. Donc voilà, les amis, sans plus tarder, on va commencer. Du coup, Greg, tu vois bien, c'est bon? Ouais, c'est bon, Parfait, parfait. les autres aussi, ça doit être nickel. Donc j'envoie le coup. On essaie de regarder ça. C'est la première main du coup que tu joues. Du coup, juste petite pause. Il y a un joueur français qui est ici. Je Ouais, sais pas si tu un as remarqué sur le moment qui était français, toi, Greg. ici, ouais. Je crois qu'il y avait le joueur en jaune qui est français. De toute façon, on les verra avec les nationalités. Avec, Mais ouais. tu t'hésiteras pas à me dire si tu avais des infos et tout au fur et à mesure du temps, même sur le moment, si tu avais fait quelque chose pour un ressenti ou autre, d'accord? Du coup, premier coup, Greg, tu as 3 millions 9 sur 125 250 000. Du coup, tu as 15 blindes à peu près. Ouais. Et t'es UTG plus 1. Ok, donc tu as As-5 off. Donc là, on voit qu'à ce moment-là, vous êtes 16 left sur Ouais. 1922. Les infos sont en haut à droite, les amis, pour ceux qui ne voient pas que l'average, il a 6 millions. Ok, on voit que Greg réfléchit. Ok, et tu fais tapis. Ok, donc avec le recul, tu referais tapis là ou pas? Non, je refais pas tapis, non, parce que là, c'est un push peut-être à 10 bébés, mais pas 15 bébés. Ouais, alors, ouais, même je pense que d'une manière générale, en MPA, 6 max, là vous êtes 8, je dis pas de bêtises, 6 max, ça serait As-8 off plus pour 10 blindes. Donc pour 15, on va commencer à open fold des As-10, et ça va être plutôt, je pense, des As-Valet, As-Dame, les bottom de push. Ouais. Et du coup, ici, Ouais. As-5 off, je pense que je fold simplement, même 10 blindes, je fold pas. Alors, après, il y a le fait que ça soit bébé hanté sur ce tournoi. Ouais, c'est ça, Et hanté big peut-être que blind. ça augmente dans peu de temps. Si c'est ce cas-là, bon, tu peux peut-être faire une exception à la règle pour 10 blindes. Au lieu que ça prenne As-8, prendre As-5. Ça doit rarement être une erreur, sauf s'il y a des paliers entre la 16e place, la 14e, j'en sais rien. Tu vois, s'il commence à avoir des paliers importants pour toi, évidemment, pour tous les joueurs à qui ça pourrait arriver. Mais sinon, de manière générale, je pense qu'ici, c'est un fold. Ouais, bien sûr. Il y a beaucoup de joueurs à parler derrière toi. Quand tu vas être collé, leur range de call, ils vont rarement coller moins bien. Genre, même Roi-Dame suité, ils vont pas call, tu vois. Tu vas être Ouais. dominé, tu vas être dominé absolument dans les As-6 suité, As-6 off, genre leur bottom, ça va être, je sais pas, ils vont coller As-Valet, As-Dame off plus, c'est même pas sûr qu'avec les paliers, les pressions de chacun, et la plupart sont en one time, ils prennent As-Valet off, tu vois. Ouais. Peut-être un gros stack ou autre, mais je pense qu'ils prendraient plutôt As-Dame off pour 15 blindes tout le temps. On va dire As-10, As-Valet suité plus aussi, donc que des mains où tu vas avoir au mieux 30%. Pareil, dans leur paire, ils vont jamais prendre, je pense, 5-5 à 2-2, ils vont plutôt prendre des 6-6, 7-7, 8-8 plus. Donc plutôt fold cette main. Après, sur le moment, moi quand j'avais vu ce coup-là, c'est ce que je t'avais dit après coup, je pensais que même des fois il peut y avoir un problème d'affichage, genre t'as pas réellement 3 millions Ouais, 9, ou alors toi t'as pas réellement bien ça me regardé ton surprend stack et tu aussi penses pas que sur le que moment t'as 3 millions 9, mais... ça me surprend que j'échauffe comme ça. Si, je sais pas si l'affichage est juste ou pas, mais je me suis planté peut-être dans le comptage des chevaux, on n'en sait Ouais, pas. bon, et après c'est... C'est une première vue. Heureusement, pour l'instant, jusqu'à l'ASB, t'as pas été puni, entre guillemets, où il y a une premium. Bon, tout le monde fold, ça va. Tu t'en sors bien pour le coup. Mais je pense qu'avec le recul, plutôt fold. Alors, pareil, quand c'est ce moment-là, Greg, tu vois, genre, ça va jamais déranger quelqu'un que tu prennes 10 secondes. Moi, j'ai pas fait Ah beaucoup de live, mais que tu prennes 10 secondes ou 15 secondes pour compter ton stack. Tu vois? ouais. Et j'ai remarqué aussi qu'à un moment donné, on va le voir, tu te mets en pile de 10. Genre en mode tu sais pas trop et du coup tu te mets en pile de 10 pour plus savoir combien t'as réellement en ce moment. Et je pense qu'en live, par rapport au online, vu qu'on n'a plus l'affichage en bébé ou en jeton tout le temps devant nos yeux pour tous les stacks, il faut savoir deux trucs en premier avant de savoir tes ranges ou autres. Il faut savoir combien t'as devant toi à chaque coup. C'est réellement précis, tu vois. T'as des fois des plays avec 30 blindes que t'as pas à 25 et ça tu le sais et tout. Et pareil pour 40. Et ensuite savoir à peu près combien ont les autres. Donc après, c'est sûr que personne range ses jetons, enfin rarement par 10, mais souvent c'est par 20, tu vois. Comme il fait lui ou comme il fait lui, c'est des piles de 20. Du coup, après, c'est bah, pareil, ça, je pense que ça fait partie du manque d'expérience en live, mais plus t'en feras, plus ça sera devenu banal pour toi, tu vois. Mais très important que sur chaque coup, tu saches pas. Donc si quand tu saches ton stack, donc là, si tu as un petit doute, prends 10 secondes.
15 secondes pour compter ton stack, personne ne va t'en vouloir. Et tu vois, là en vrai, les 10-15 secondes, elles valent bien plus que le peu de fois où tu vas te faire attraper. Enfin, attraper où il y aura une premium ici que tu vas bust. C'est dommage. Sans prétention, vu l'edge et le fil restant, tu vois. Bon, je pense que c'est plutôt un fold, mais ok, c'est bien pour ces raisons. Après, voilà, sur le moment, je pense que c'est pas une énorme erreur. Surtout si tu savais pas trop le nombre de stacks que tu avais. Du coup, prochain coup. On voit qu'Axel il est au cut-off, il fold. Toi tu te retrouves au bouton, t'as 3,9 millions sur 125 250 000. Donc pareil, t'as toujours aux alentours de 15-16 blindes. C'est un open show. Tu préfères open shove ces spots. Ouais. Roi-Valet, ça serait quoi ton bottom dans les rois off? Roi-Valet off? Roi-10 Ça va off? aller off, quoi. Roi-10 off? Ouais, 10 off, je prends aussi, ouais. Ouais, et ensuite tu prends quoi? Roi-9 suit? Ouais, la suite, ouais. Ah, c'est marrant, Matt, le mec droite de Schnapps est devenu mon élève à ce tournoi, après ce tournoi. Ah ouais? Ah bah c'est marrant ça, Pacienza. Axel là? Axel? Ah ok. Yo Xav, salut, salut le Zouz, il est là. Du coup, t'as open shove dans ce spot. Ok, intéressant. Moi je pense que j'aurais fait pareil que toi, 15 blindes, on a juste envie d'open shove. Notre main n'est pas assez forte pour open induce, open call, et elle est trop forte pour open fold, tu vois? Donc il reste que du push. Je pense que tu peux commencer à induce des rois valet suit, 3 dames off, je sais pas, genre as 10 off plus, as 7 suité plus, as 6 as 2 suité, tu vas jam, les petits as 6 off, tu vas jam ceux qui sont en dessous, tu vas shove genre, je sais pas, paire de 6 à paire de 2, commencer à induce 2 7 plus, bon, ça tu sais très bien les range induce, et du coup ça prend, parfait, Grégouze, pour ce spot. Prochain spot du coup, Yosefi Cohen, UTG fold, Axel à Valet 2, il va folder, toi tu te retrouves avec As-Dame, au hijack avec 4,6 millions, donc maintenant cette fois tu as 18 blindes Ouais. par rapport à l'affichage, t'es au hijack. Ouais, là c'est pareil. Là j'ai préféré push, mais ouais. À froid peut-être. Un open call, c'est peut-être mieux, mais j'avais pas envie de me faire rejam derrière. J'ai Ouais. préféré chaud. Comme c'était Là, aussi en t'estimes que fait. par rapport à ce que tu ressens et tout au table, même ce que tu avais vu au début de day 3, parce que là j'imagine c'est pas le tout début du day 3 là. Vous avez peut-être joué une heure ou deux avant que tu ailles en table télé ou pas? Parce que vous Non, avez non. pas repris, t'avais pas Non, repris à 16 non. lèvres si? On a repris le day 3 à 23 left. Voilà, donc vous aviez joué quand même peut-être une heure avant. Ouais. Peut-être que sur le moment, si tu sens que les mecs, tout le monde joue les paliers, tout le monde subit une énorme pression ICM. Et du coup, bah, quand tu open ici, d'habitude, ça reste, c'est un induce parce qu'on veut faire des erreurs à l'adversaire plus grandes que de ce qu'ils vont call sur tapis, tu vois. En gros, quand on va shove direct 18 blindes, bah, leur range de call, s'ils connaissent bien leur tableau, elle est prédéfinie. Et du coup, en gros, on peut dire que t'es inexploitable, mais eux aussi, vu que tu leur fais pas faire d'erreurs plus que de venir avec des mains naturellement fortes. Ce qui sert d'induce, tu vois, donc d'induire les joueurs les adversaires à faire plus d'erreurs que de coller tapis. Et du coup, s'il y a tout le monde qui joue la pression ICM et tout, c'est comme dans un satellite où genre vous êtes 7 left et il y a 5 tickets, les gens vont pas shove aussi large que d'habitude. Du coup, ton induce a moins de valeur, tu vois ce que je veux dire? Du coup, ce serait rarement une erreur en pression ICM, mais je pense que 18 deep, tu as le droit d'avoir encore des open, tu as le droit d'avoir encore des open induce, je pense que c'est mieux parce que tu as encore le droit d'avoir des open fold, genre même si il y a de la pression ICM, si imaginons il y en a pour toi, il y a que quand les joueurs derrière toi vont te couvrir et qu'ils vont être bons que tu vas tight fold, tu vois. Par exemple, si ici tu as roi dame off, tu vas ni shove ni fold, tu vas open fold. Mais en situation d'ICM, s'il y a des joueurs qui sont compétents derrière toi, tu pourrais directement folder, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, bah, si à partir du moment où tu sens que derrière toi, les joueurs derrière toi ne sont pas les plus compétents, les joueurs savent pas trop mettre la pression et jouent entre guillemets de manière normale encore, il faut que tu open. Ok? Ouais, clairement. Du coup, tu as open show. Bon, bah là, ça sera jamais l'erreur de l'année, mais dis-toi, d'une manière générale, au hijack 20 blindes, tu n'as aucun open show. Ça, tu le savais déjà, mais c'est que à partir de cutoff où tu vas arriver dans la théorie à avoir des shows genre avec des 2-2, 3-3, 4-4, tu vois? Ok, bon, pour l'instant ça vient jusqu'à SB. Bon, lui, Dame 9 suité va probablement folder. Et 8 et 9 en BB, bon, à mon avis, il va folder. Salut Greg, salut Matt, salut Conju Racing, salut Docteur. Salut les gars. Et du coup, bon, t'as pris le spot, bon, avec le recul plutôt en open encore. Ouais. Ok, pas de problème. Spot suivant, on est au hijack. Enfin, avec ici, on se retrouve Dolph au hijack qui a 6,5 millions avec Roi-Dame. Va probablement open. Ok, pour l'instant c'est intéressant.
Parce qu'on n'a pas, bah évidemment, on ne voit pas les autres coups des autres joueurs, mais on n'a pas encore vu de coups intéressants. Bah, pour l'instant, t'es short, donc tu pushes les ranges ou autre. Ok, pour l'instant, tout le monde fold. Bouton, il a paire de 2. Dans ce spot, c'est relou à sa place. En fait, s'il call, il a une range capée. Et s'il shove, ça, quand même, ça reste quand même beaucoup. Après, ça dépend des stacks derrière vous, mais. Genre, peut-être que ce qui chauffe de base pour 20, là, il va pas le prendre. Qui okay, accède à 7 en SB. Une main qui doit folder. Bon, sauf quand il 3-bet fold. Mais bon, avec son stack, il n'a pas trop la place de 3-bet fold. Normalement, ça se fait pas beaucoup quand même. 18 deep de trouver un 3-bet live. Ou 3-bet sizé en value. Que du push ou du fold. Peut-être que là, il hésite à push. Hein. Bon, il a hésité souvent, oui, c'est quand même assez solide comme joueur. Hein. Ouais, je l'ai vu jouer un petit peu et tout. Il a un bon niveau. Ouais. Ouais. Ok, et toi tu te retrouves avec 2-10, les Zizou ici, Grégouze, Ah. avec 4 millions. Du coup, Merci, Gakpo. toujours. Donc là c'était 150 000, 300 000, donc toujours 15 blindes. À peu près, donc bon, il n'y a pas d'autre play que de faire tapis ici. Ouais, c'est ça. Pareil pour toi, c'est comme avec Axel à côté, t'as pas d'induce, enfin 3-bet sizé, t'en as pas en bluff. T'as que du push ou du fold. Et du coup, Dolph qui se retrouve en bêta avec Roi-Dame. PLS. Ouais, bon évidemment il doit open fold. Genre je pense que toi tu vas chauffer des rois valets, roi 10, valet 10, dame 10, suité et tout, mais si tu pushes les bonnes ranges, et la plupart sur ces tournois-là ils vont chauffer beaucoup plus tight. Du coup toi ta range de chauffe ça va être au minimum je pense dans cette situation-là des As 10 off plus, des As 6 suité, genre As 7, As 8 suité plus, des paire de 6, paire de 7 plus. Du coup si t'as un peu de pression CM, tu vas avoir une range qui lui crush trop pour qu'il puisse call, enfin je pense à sa place faut fold. Du coup, on voit qu'il est embêté, hein. Du coup, là, déjà, tu peux prendre une info quand c'est comme ça. C'est le mec qui connaît pas ses ranges, quoi. Tu vois, genre. Alors, ok, en live, tu peux voir une sensation, un truc, mais là, on voit que tu bouges pas. Regarde, hein, tu vois un tronc d'arbre, là, il bouge pas, là. Il est de marbre. Du coup, bah, sauf, tu vois, genre, demain, t'as une info sur un mec, il est en PLS, tu te dis, oh là là, je le connais, le petit spiotard, lui, j'ai déjà vu, chauffe des mains. Bon, tu peux peut-être réfléchir, mais là, en vrai, c'est une décision qui sont sorties de tableau, tu vois ce que je veux dire? Théorique et puis à adapter aussi à la situation où il y a pas mal d'ICM pour pas mal de joueurs. Si les joueurs commencent à jouer les premiers paliers, encore une fois, je répète, si les joueurs jouent pas les paliers, il y en a pas encore. Mais là, il commence à y avoir des paliers intéressants. Hein. Je sais pas, à 16 levels, tu te souviens un peu les paliers, c'était quoi? Je ne me souviens plus trop, Ouais, ça non? devait Je être sais que des paliers à la 2-3 000 euros quand même, 1000, 2000 euros. 9e, je crois qu'il faut les 4 500, un truc comme Ouais. 4 000, un truc Voilà, comme ça. devait être assuré d'un K et quelques. Bon, du coup, on voit que tu bouges pas, hein. Aucune info. Ça, très bien, très bonne posture. Grégouze, il est là. Il est vraiment embêté, hein. Eh, time à la 3. Ok, il fold. Bon, du coup, bon spot parce qu'au final, bah, tu prends l'argent mort, 1,4 million. Toi, quand on joue 4, c'est quasiment un tiers de ton stack, un peu plus d'un tiers de ton stack, donc très content, hein, sans showdown. Clairement. On aurait pas été... En vrai, t'es pas très content quand il te colle cette main. Bon, après, s'il te colle Roi-Dame, il te Ah colle bah, je d'autres mains, suis mais... sûr. Ok, on voit le classement. Du coup, on voit que vous êtes toujours, je crois, 16 left. T'as 20 blindes. T'es sur une table où Yosefi Cohen, il est premier avec 34 BB. Le deuxième a 27 blindes. Là, tu vois, on voit un peu les stacks de ta table. Axel, il a la même stack que toi. Les deux autres derrière toi, il y a Dolph et Senf King, ils sont short. Ils ont 19 et 14 blindes et les premiers ont 27, 34 blindes. Donc en vrai, on voit que je crois qu'à ce moment-là, Yosefi doit faire partie des chip leaders du tournoi. Ah, c'est Parce que si ça, vous ouais. êtes encore 2-3 tables ou 2 tables, doit faire partie des chip leaders du tournoi à 2 tables restantes. Donc du coup, quand t'as 20 blindes, t'es pas si short que ça. Hein. Quand le premier a 34, tu vois, c'est pas comme dans des tournois online où des fois t'as 20 blindes et le top il a 60, 70 blindes. Voilà, les écarts sont plus trop serrés. Ah, surtout que c'est des levels de 40 minutes. Ouais, donc level de 40 minutes, t'as le temps. Ok, nouveau coup. Ok, Yosefi Cohen, il est au hijack avec 10 et 6 suit. Le bottom, c'est 10 et 7 suité plutôt à sa place. Mais après, bon, il est premier, tu vois. Il met la pression peut-être sur un stack qui est en BB et dominé. Il doit attendre. Du coup, c'est un cran plus bas. Ça me dérange pas dans la situation où il l'open. Et toi, tu te retrouves avec As-Valet avec 20 blindes au bouton, Greg. Du coup, bon, ici, il n'y a pas 40 décisions. Tu vas faire quoi ici? Ouais, ici, je vais chauffer Tu vas chauffe. T'aurais chauffe quoi en bottom dans les As-6 off?
Ouais, la 6 off, As-10? As-10, As-9, tu le prends pas, tu fold? ouais, Ouais, c'est bien. As-10, As-9 suité peut-être. Ouais, As-8, As-9 suité, As-10 off, ça me va très bien. Et du coup, bon, bah, Yosefi qui snap fold, parfait, tu engranges des petits jetons importants pour ton bloc. Par rapport à l'average, tout ça, donc parfait. Il est là, Grégouze, regardez, il attend son louis d'or. Allez, on voit ça. Ok, parfait. Spot suivant. Au cutoff, c'est une king. Ah, il a 5,2 millions. Bon, à sa place, il n'y a pas trop d'autres moves que je push. Hein. Pareil, sa main n'est pas assez forte pour Induce. Je pense que c'est As-Dame, le bottom d'Induce à sa place. As-10, As-Valet suit. Ok, t'es en bébé. Ah, il a fait tapis. Et du coup, ici, t'as suite off. T'as envie de faire quoi là après coup C'était quoi, 350-300 les blindes là? Ouais, du coup, il a à peu près 15 blindes. Ouais, passe. Tu fold ici, c'est quoi ton bottom Ouais, de call dans les A6 off? j'ai joué mon tournoi sur un suite, j'ai pas envie de. C'est quoi ton bottom de call dans les A6 off là? 15 blindes. Là, je vois As-10, As-10 off, il raconte. As-10, tu le prends quand même. Bon, encore une fois, As-10 dans une situation normale où il va push tous les bros de suité, genre Roi-10, Roi-Valet, Dame-10, Dame-Valet, Valet-10 suit. Quand il va push tous les bons Broadway off, Roi-Dame, Roi-Valet off, tous les petits As-6 suité, As-9, As-8, As-7, As-6, As-5 suit, toutes les pocket paires, tu vois, Grégouze? Paire de 6 à paire de 2. Si là, il les prend pas parce qu'il n'est pas dernier et qu'encore une fois, il y a des paliers qui sont intéressants pour eux, tu vois, sur un 200 balles, prendre des paliers à 1000 euros, bon, pour 2-3 joueurs qui bustent après eux, c'est bien. Et bah, ici, il faut folder, même As-10 off. Ouais. Et prendre du coup plutôt en Ouais. bottom As-9, As-10 suit et As-Valet, As-Dame off. As-Valet off, tu vois. Mais encore une fois, As-10 off serait un bottom théorique de base. Et dans les paires, tu prends quoi? 15 du coup, de base. 15 blindes dans une situation normale, tu prends quoi en bottom de PP? Perdu 8, je pense. Tu prends pas 2-7, 2-6? Non, 2-7 peut-être, mais 2-6, je pense pas que je le prends. Ok, bon, je pense que 2-7, 2-7 plus serait le bottom normal. Dans une Ouais. situation normale, dans cette situation-là, tu peux prendre 2-8, 2-9 plus. Ouais. Ça Ah. m'a l'air bien. 2-7, ça doit être la main charnière, à mon avis, que tu peux tight fold. Du coup, bon, bah, on voit que tu as demandé le compte et que tu as foldé. Bon, très bien. Bon, pas de décision, Grégo, c'est bien. Ok, accès au bouton avec 20 blindes. Car Ouais. Roi-8 suit. Bon, il va open fold, très Ouais. probablement. Il a un bon spot avec des bloqueurs. Sa main elle est pas assez forte pour push, mais elle est trop trop forte pour folder direct. Ok, toi t'es en SB Grégouze, tu découvres ton jeu et t'as 20 blindes d'effectifs avec le mec à ta droite et à ta gauche et ta dame valet off. Du coup c'est un peu chiant ici. Je pense que t'as pas trop la place de flat et t'as C'est pas envie ça. de push. Tu connais pas Ouais, trop les fréquences d'accel et tout, du coup en vrai le fold reste le meilleur play. Dame valet suit, tu fais quoi là? je chauffe. Ouais, roi dame off. Madame, je chauffe aussi. Ouais, et roi valet off, tu le prends aussi? Ouais, je pense, ouais. Ok, ouais, c'est bien. Alors après, fais attention, tu vois, pareil, si tu as genre roi valet off, c'est un push pour 25. Après, dans cette situation-là, tu pourrais le tight fold, surtout parce que Mike en bébé, tu vois, il a un plus gros stack que Axel. Et toi aussi, pas d'ailleurs, t'as pas que 6 millions pile. T'avais 6 millions, 7 ou 8, je crois, les fichages. Donc t'as 20, 23, 24 blindes, tu vois. Donc c'est comme 25 en bloc, roi valet off c'est dedans, roi dame off aussi, mais dame 10, dame valet, valet 10 suité. Après dans une situation 10M, si pareil tu joues les paliers, les premiers paliers imaginons, et qu'il y a beaucoup de shorts derrière toi, tu pourrais le tight fold. Ce serait pas une erreur. Après d'une manière générale, si vraiment il y a de l'ICM et que tout le monde la joue, étant donné que tu couvrais Axel sur ce spot-là, tu peux chauffer des mains en gros en résumé que lui peut pas call. Tu vois, si là tu lui attribues paire de 5, paire de 6, paire de 7, paire de 8 et qu'il joue l'ICM, je pense qu'il doit le fold, tu vois. En bottom, s'il a genre As-10, As-Valet off, il va folder en situation d'ICM. Hein. Du coup, ça a beaucoup de valeur, je trouve Roi-Valet off ou Roi-Dame off avec les bloqueurs de 2 rois, As-Roi, 2 valets, As-Valet, 2 dames, As-Dame, tout ça, si t'avais des Rois-Valet, Roi-Dame, tu vois. Et que tu pouvais faire fold mieux que ta main l'adversaire. Bon, dans une situation normale, c'est des push. Ok, c'est bien, du coup, t'as tight fold. J'aime bien, en vrai, pas d'autre play. Ok, on a de nouveau un affichage, on voit que Yosefi Cohen a 30 blindes, toi t'en as 22, Greg, et que tout le monde en a à peu près une vingtaine. Intéressant. Nouveau coup. Ok, Senf King, paire de 3, et il est embêté, UTG plus 1. En vrai, avec 20 blindes, il doit folder, hein. Il push trop, et open, il peut pas avec sa paire.
Ok, Axel Okatov et Merguez, 8 et 3. As-2 au bouton pour Grégo, c'est quoi ton plan ici avec 20, 24 blindes? Open fold. Vu que t'es au bouton, le sizing c'est quoi? 2.1 Ouais, ou 2x suffit. C'est tellement, 2x tellement de range faible que si tu fais 600 000 ici, t'as la même FE que si tu faisais 620 000 par exemple. Bon, SB a snap fold et BB a valet 6 off qui va probablement pas défendre. Du coup, très bon spot. Tu prends les blindes, t'en as besoin avec ton bloc. T'as un bloqueur sur ce qu'ils vont push le plus de base en SB et en BB. SB, BB, c'est les ranges les plus faibles au poker. Enfin, c'est celles qui vont le défendre le plus large quand ils sont en BB parce qu'ils sont déjà impactés de la blinde qu'ils ont mis dans le noir, entre guillemets. Et du coup, c'est la position qui va défendre le plus, qui va check fold le plus sur tous les avantages de range chez toi au flop quand tu vas c-bet petit. Et SB, c'est la position qui va beaucoup 3-bet fold ou fold parce qu'évidemment, call en SB, défendre en SB. C'est pas des choses qui sont beaucoup conseillées vu qu'on est premier de parole. On la jouera tout le temps beaucoup moins bien en étant premier de parole, hors de position face à un mec qui va pouvoir beaucoup plus c-bet les boards, qu'il les ait touchés ou non, que nous on va pouvoir les check call que si on a touché quelque chose, tu vois. Et du coup, SB ça va pas beaucoup avoir de réaction. Et du coup, t'as pas besoin de faire plus cher que 2x. T'as des bons bloqueurs sur ce qui vont push le plus, par exemple en BB, genre de manière naturelle, les As-6 suité, les As-10, As-Valet, As-Dame, As-3 off, 2 As. Du coup, les premières mains, comme on dit de manière théorique, c'est les mains avec les bloqueurs qu'on a envie d'open fold dans ce spot et qu'on équilibre avec des open induce comme des 2-7 plus, As-Valet off plus, As-9 suité plus. Les meilleurs broadés suités qu'on aurait, genre Roi Dame suit qu'on aurait open et call tapis. Ok. Du coup, très bien d'open ce spot. Récompense, envoyez les blindes. Parfait. Bonjour, petit rappel du tournoi. Merci, bon dimanche à tous. Salut, deux poids, deux mesures. Vous êtes une cinquantaine déjà, merci beaucoup. Du coup, on se retrouve avec Greg pour un nouveau cours Hijack avec 7,5 millions sur 150 000, 300 000. Donc. Bon, là, je suppose que tu vas open. C'est un open call, hein. Là, c'est un open call sur les shorts. Voilà. Bon, pour le sizing, pareil. 600 000 va faire le taf. 600, là, 2,1 me dérangerait pas, même. Position plus early. Ok. Ah, au bouton, il a roi 10 suit, il est embêté. Ok, fold. Et Dolph a roi 10 suit aussi en SB. Avec 19 blindes en tout, du coup, 5,7 millions sur 150 000, 300 000, enfin 300 000, ouais, 150 000, 300 000. Du coup, à sa place, bon, c'est un push de base. SB contre hijack, ou un flat s'il a de la pression ICM, en tout cas, c'est push ou flat, ou fold pour moi. Et on voit qu'il prépare des jetons, qu'est-ce qu'il va faire? Il va 3-bet? Incroyable. Ok, bon, là, il a fait combien? Les roses, c'est 500 000. Elle a fait 1,4. Okay. Donc les roses, les amis, les jetons roses, c'est 500 000. Les jetons noirs, c'est 10 000. Alors les gris c'est des 100 000 et les bleus 100 000, ouais. Pardon, c'est 100 000. Et les bleus, 25. Et les roses, 500 000. Donc il a fait 1,4 million. Donc il t'a min 3 bêtes. Du coup, à ses profondeurs, il a quand même moins de min 3 bêtes fold que de min 3 bêtes call. Après, t'as quand même ici, dans ces situations-là, tu bloques ce qui crush le plus. Tu bloques 2 as, tu bloques 2 dames, tu bloques as-roi. T'as toujours de l'équité quand il a deux rois, quand il a deux dames aussi, quand il a deux valets, c'est un flip. Tu bloques aussi les possibilités qu'il ait as-roi, et s'il a as-roi au pire, t'as toujours de l'équité. Et je pense qu'il a le droit d'avoir encore des 3-bet fold, tu vois. Bon, après, la plupart, ils en ont quand même moins, hein, mais ici, dans ces situations-là, c'est sick, mais t'as pas d'autre play que de faire tapis, je pense. Il a quand même hyper strong là-dessus, mais je vois Ouais. pas quoi. Sur le moment, tu t'es dit quoi, là? Bah sur le moment, putain, il reste strong quand même quand il fait ça. Et ouais, sur le moment, tu t'es dit, bon, on appelle les carreaux. Et après, je me suis dit, il n'a pas digéré dans des shows avec Hyper Baby quand il laisse en roi dame, donc il a excité pendant longtemps. Ok, Donc tu donc on dis voit que tu annonces tapis. le 4 d'Atoline. Donc Dolph, c'est le même joueur qui était embêté avec Roi-Dame tout à l'heure. Voilà, c'est ça avec trois dames Et en là, du commun. coup, il se retrouve à 3 bêtes, tu vois. Alors, pourquoi, moi, de mon humble avis, c'est pas bon? Parce que ici, il 3 bêtes fold une main qui est assez fort de base pour la push, et surtout quand il va la push pré-flop. Genre par exemple, imagine ici, tu ne le crois pas, et t'as 6-6, 7-7, 8-8. Qu'est-ce que tu pouvais faire pré-flop? Faire, comme t'as fait là, tapis. Et lui, il va faire quoi avec cette main-là? Du coup, il va passer. Mais s'il te fait tapis du pré-flop, avec 6-6, 7-7, 5-5, tu vas faire quoi? Tu vas passer. La plupart des joueurs à ta place. Donc, il va te faire fold des mains meilleures que la sienne, et il va jouer son équité à fond. Alors que là, il a jeté quasiment un tiers de son stack dans le vide, tu vois? Et il n'a pas réalisé son équité, c'est quand même dommage. Il avait des bloqueurs sur deux rois, deux 10, as 3, as 10, donc.
Dommage, Donc mais c'est tant mieux pour meilleur. toi, Grégoz, du coup, il te laisse de l'argent mort. Ouais. Ok, que top, t'as Dame 10 off. Bon, le bottom, c'est Dame 9, Dame 9 off plus. Ça reste un open. Un petit min raise. Pareil. Dépend. Pareil, quand tu connais bien tes tableaux, en vrai, pour le live, ça a quand même beaucoup de valeur, hein. Je sais pas si t'as Ah remarqué tout le long des 3 jours là que t'as joué. Mais tu voles beaucoup de blindes quand même. ouais. Les mecs connaissent encore moins leur range, j'ai l'impression, en live, hein. Ouais. Ok, Dame 9 suit en SB. Il a fold. Alors que pareil, pour 20 blindes, c'était un spot parfait. Valet 3 suité en BB. Dolph, bon, il doit défendre tous ses suités. Bon, tant mieux, il défend pas. Parfait. Let's go. Pour Grégouze, il empile les jetons. On a calmé. On voit les petites transitions à chaque fois, elles sont belles, hein. Ouais. Incroyable les petites transitions. C'est ça. Ok, nouveau spot. Si c'est 7 pour Axel, il fold. Toi, Greg, t'es TG plus 1, ta paire de 4. Tu veux faire quoi ici avec le recul? Ici, c'est un Donc, fold. on est en 200 000, 400 000. T'as 11 millions, donc t'as 28 blindes. Ouais, ça fold. Je pense que le bottom d'open UTG plus 1, ça doit être genre 2-6. 2-6, ouais, 2-5, 2-6. Du coup, t'as foldé direct. Il est solide, Grégouze, les gars. Il est solide. Moi, j'ai l'impression que tu leur marches dessus, Greg. Aïe, aïe, aïe. Ok, t'as Roi-Dame au cutoff, Grégouze, ça va être encore un open, tout ça. Alors pareil, des fois, prends bien l'information à ta gauche, tu vois, là. Je sais pas si tu le fais entre les coups, mais on te voit pas. À partir du moment où t'open, là, tu vois, direct après, c'est regard sur ton stack et aucune analyse des stacks derrière. Tu vois, là, tu Mais ça, regardes faut déjà l'affichage, c'est analyser quoi les avant. blindes pour savoir ton sizing. J'avais déjà analysé avant, ça. Hein? J'avais déjà analysé avant, ça. Ok, donc si tu l'avais analysé très bien, mais un petit conseil, n'oublie pas que chaque coup, ça peut varier. Tu vois, des fois, bon, voilà, vous aviez pas le droit au téléphone, je crois, au tab, non? En Non, tab télé. Mais imaginons, bon, des fois, tu joues un coup, tu le passes, tu regardes pas le coup d'après, tu vois pas que le stack il a changé sur l'autre, et tu pensais qu'il avait 15 blindes, en fait, il en a 25, tu vois, après le coup. Bon, hein, c'est un détail, mais très important parce que ici, si par exemple, t'es au cutoff et que tout le reste derrière toi en 15 blindes ou moins, bah, tu vas open shove plutôt. Voilà, c'est pour le détail, mais. Toi, t'es dans le non. détail. Bon, du coup, t'open. Sur la blinde de Yossefi Cohen, là, le joueur en blanc qu'on voit tout à gauche, moi, entre guillemets, des infos que j'ai vu de lui jouer avec tous les showdowns et tout quand je t'avais suivi en live, là, c'est pas un joueur mauvais, loin de là. Et après, toi, je sais pas si t'avais des petites infos, est-ce que tu l'avais joué avant? Non, pas trop, Ok, donc toujours Dolph est embêté, hein. Et lui, il aime pas toujours. fold, il est en maladie sur chaque main, frère. Ok, Yosefi qui est en BB avec Valet 8, bon, qui va probablement défendre, hein, BB contre cutoff. Ouais, le bottom à sa place, ça serait Valet 7 off plus, je pense. Tous les Valets suités. Il défend, ok, on va se retrouver. Un petit spot post-flop, il y a 2 millions au milieu, toi il t'en reste 10, Grégouze. Très facile à jouer contre BB, la position qui défend le plus, qui check fold le plus, tu sais ce que t'as à faire, les boards avantage de range chez toi, tu vas laisser bête. Oh là là, Roi 3-2, très bien. Un board sans lequel tu vas faire quel sizing ici dans 2 millions? Ouais, je un tiers. Un Bon, tiers, ouais, 700 000. C'est tellement un board très sec que théoriquement on pourrait un quart. En gros, ce qu'on fait dans le principe de la théorie pour nos sizing, un petit mémo technique pour vous les amis, ceux qui écoutent, qui regardent cette vidéo sur YouTube ou qui suivent en direct sur Twitch maintenant, plus vous avez une fréquence de c-bet élevée avec votre range dans cette situation-là, ça veut dire notre range qu'open au cutoff contre BB, elle a un avantage de range. Pourquoi? Parce que deux rois, as roi. Deux dames, deux valets, deux 10 plus, les as-dames, as-valets suit, tout ça, c'est des mains que nous on a et que lui il aurait trop souvent trois bêtes. Tu vois ce que je veux dire, Grégouze? Les meilleures mains, c'est nous qui les avons sur ce board. Donc on a l'avantage de range. Donc si nous on a évidemment l'avantage de range, les mains fortes, la plupart du temps, les plus grosses mains ici fortes sont chez nous. Donc si elles sont chez nous, elles sont pas chez lui. Donc si ici on a une grosse fréquence d'open avec toute notre range, on va avoir un petit sizing, grosse fréquence de ces bêtes, petit sizing. Ça, on en avait déjà parlé, ça tu le maîtrises, Grégouze. Et inversement, on arrive avec ici Roi-Dame sur un board qui est, je sais pas, flop, Dame 8-9 avec un flush draw et on est contre SB qui va sélectionner beaucoup plus ses mains que BB. Tu me suis, Grégouze? Bah, si ici notre range elle va avoir moins un avantage de range conséquent par rapport à BB que dans cette situation-là contre SB. Et du coup, sur Dame 8-9 avec un flush draw, on aurait beaucoup de check ou de bet plutôt cher. Pareil, parce que petite fréquence de ces bêtes égale gros sizing. Pourquoi? Parce que si l'avantage de range n'est pas chez nous, il sera chez l'adversaire. Après, il n'y a rien de gravé dans le marbre, il y a toujours des adaptations à faire, mais
En gros, c'est un peu ça le principe. Donc ici, c'est toujours un petit size. Si tu avais une main comme 8 et 9 de cœur, c'est quoi ton thinking process au flop? C'est j'ai 8 et 9 de cœur, j'ai hauteur 9. Le but, si je sais bête au flop, c'est de faire fold mieux que ma main. Est-ce que je peux faire fold mieux que ma main, mieux qu'hauteur 9? Oui. Hauteur 10, hauteur valet, hauteur dame, quelques hauteurs as qui n'ont pas de backdoor. Si l'avantage de range, il est beaucoup chez moi, un tiers suffira à accomplir ces mains-là, à faire fold ces mains-là. D'accord, Grégoze? Donc mes values font le même size. Ça, tu le maîtrises, c'est bien. Donc là, on voit que tu réfléchis au sizing. Ok, t'as fait 525. Ouais, j'ai fait un quart. Ouais, t'as fait un quart. Bon, ça me va, c'est petit size. Bon, il a pas de décision de toute façon avec ce spot. Dommage, on value tous les 3, les 2, les As-4, les As-5, les Gutshot, les Straight Draw, Flush Draw, mais en général. Ok, on a un bon petit plan du dessus là. Les tables, c'est sympa ça. Ok, nouveau coup, Axel Fold, UTG. Mais du coup, là, c'est vous êtes 10 left, du coup, c'est deux tables de 5. Du coup, en fait, tu te retrouves direct au cut-off, en fait. Donc, lui, il n'était pas évidemment UTG, hein, les gars. Pour le terme, oui, mais sinon, lui, il était au hijack déjà. Roi 9 off au cut-off, ça serait un bottom. Après, tu es sur la bébé du chip leader, Yosefi. Ça pourrait Ouais. stack fold avec l'ICM à 10 left, surtout si tu es joueur 3, 4ème en stack, toi. Ça me va très bien. Spot suivant. Ah, on voit le classement. Du coup, 3, 6. Ah, c'est la TF, la Grégouze. Ouais, c'est 3, ça. 6, 9, c'est le début de la TF, donc on voit qu'au classement t'arrives avec 19 blindes, avec 10 millions de jetons, Kyosefi et Chip Leader avec 23 millions, 45 blindes, et qu'après ça fait 25, 20, 20, 20, 20, 20, 14, 12, 11. En vrai les stacks sont serrés, hein. Pas mal de pression ICM sur votre dos parce que là chaque palier vaut une tonne. Hein. Ok, magnifique d'être en TF, Grégouze. À ce moment-là, les sensations c'est quoi à peu près là? Il se passe quoi dans ta Ah, tête là? ouais, après, je ne me suis pas mis de pression financière du tout. Ouais. Je suis dit, les spots que je dois prendre, bah, je les prendrai et arriver à voir ce qu'il y a à l'autre. Donc là, les paliers entre le 9e et 8e, le 7e, c'était pas non plus trop, c'était pas énorme par Ouais. rapport au win, quoi. Ok, nouveau coup, début, premier coup de la TF, TSB, t'as valé 7 futés avec 8,3 millions sur 125 000, 250 000, donc t'as 33 et 34 blindes. Ouais, c'est un limp. Ici, ouais, limp. On n'a pas envie d'open, on ferait rarement fold mieux que notre main à part des vieilles hauteurs dames, hauteurs rois. Et on a plutôt envie de limper ici cette main, elle joue bien, elle est compacte. On le mixerait avec des mains fortes aussi, en stratégie, c'est ce que tu fais, tu complètes. Greg est à l'aise mentalement, c'est cette magnifique table finale, il est expérimenté le Grégouze, ouais, et pisqué. Je pense que ce qui t'a beaucoup aidé, je pense, tu me dis si je me trompe Greg, c'est d'être à l'aise techniquement. De savoir ce que t'as à faire, mais du coup si tu oublies l'enjeu, c'est comme à la maison quoi. Ouais, c'est ça, Tu ouais. vois, donc après à partir de ce moment-là, mais. Reg des lives, non? Bah écoutez les gars, Greg, c'était sa première grosse ligne end-on map, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, Voilà. ouais. Il y a Donc quelques voilà moments les gars, c'est tout est dans où la mécanique. Ok, du coup, il a check back en bébé. Alors juste, pardon, alors j'ai pas été très attentif sur le coup, mais je me souvenais juste d'un truc, je vais revenir 10 secondes en arrière. Ici. Juste un truc, c'est que si tu remarques un truc, là, avant qu'il check, moi j'avais remarqué un truc, regarde, c'est que là il touche ses chevrons. Regarde, non mais regarde, c'est important en vrai. Tu vois, en vrai, là ici quand il fait ça, il est pas là direct. Soit il a une premium, voit tout de suite qu'il a envie de fold. tu vois, non mais soit il a une premium, il se dit putain, j'ai envie de raise, mais j'ai pas envie de le faire fuir, vas-y je check, tu vois. Il gratte un peu, je sais pas, c'est pas l'analyse du comportement, mais je suppose, tu vois, de toute façon c'est pas là quand ils font ça souvent, c'est le mec Bon, il se gratouille un peu, il gesticule partout, il a un jeu fort et il a pas envie de te faire fuir. Et il relance pas, mais la plupart vont quand même trouver le raise, tu vois. Ou il a merguez total. Toi, ça te donne quand même une info, tu vois. ouais, C'est-à-dire tout que tous à les fait. avantages de range, déjà tu bêtes, la plupart de ces merguez, ils vont snap fold, il va même pas réfléchir, tu vois. Et ce que tu peux faire à ce moment-là aussi, c'est quand le flop il tombe, en premier tu regardes pas le flop, Grigou, c'est-à-dire tu regardes que le mec. Comme ça, si tu regardes le flop, il y a des mecs sur n'importe quel board, il va tourner sa tête, il va se dire, vas-y, ça y est, j'ai abandonné dans sa tête, tu vois. Il va se dire, putain, j'ai 9 et 8, flop, dame 4-2, putain, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu auras une info. Et après, tu regardes le board. Moi, je peux te donner ça en conseil. Moi, des fois, je le fais. Et quand je vais en live, et ça marche bien parce que les mecs, quand même, tu vois dans leur comportement, des fois, ils sont trop cramés, tu vois, avec ce qu'ils ont.
Il a moins de 20 blindes, pas 34. Salut, t'es ma jolie, ça va ou quoi? Ah oui, les blindes, c'est 125 000, 200, 125 000, non, c'est 250 000, 500 000. Ah ok, d'accord. Ouais, il a 19 blindes, ouais. Ok, bon, Ouais, ça non, je reste un limp quand comprends. même. Du coup, sur ce Et il a board-là, été. Grégouze, flop roi 8-9, vu qu'il est polar après flop, faut que tu bêtes, hein. Tu peux faire D'accord. fold des vieilles hauteurs d'âme, t'as une gutshot, les meilleurs rois, lui, il te les aurait chauffe pré-flop, tu vois, il a 10 blindes. La plus, si Ah, il s'est joué tous ses rois X, il est censé chauffe pré-flop, et ses meilleurs rois en off ensuite, en tout cas, t'es sûr qu'il va te les chauffe. Pareil, toutes ses pépés, il va les chauffe, ses As-6 off, il va les chauffe. Ou suité, tu vois. Ouais. Je pense ici, faut bet, c'est mieux avec ta gutshot. C'est sûr. Bon, Mais regarde, en fait, il a juste envie, c'est de rendre ses mains avec ses cartes au croupier. ouais. Bon, du coup, t'as du delay. Là, sentir un peu de faiblesse quand même chez lui. Merci, t'es chez le 8 pour le sub, ton cinquième mois. Le Merci. gars à ma gauche, là, tu vois le gars à ma gauche? Ouais. Il a 500 000 dollars sur Random. À casquette, là? Ouais, non, Ok. à gauche, là, à ma Ah, gauche. lui, là? À droite, pardon. Ah, d'accord, ok. Ah ouais, à notre À gauche, à gauche. nous. Ah, ok, d'accord. Et il a fold à la turn. Bon, bet au flop, je pense, c'est mieux, Grégouze. Ah ouais, bien sûr. Open shove, J7 suité, mat. Non, moi je le prends pas. Après l'autre, il a 10 blindes, il a 10 blindes en bébé, mais je pense que je le prends pas. Valet 7 suit, t'es ma jolie. Après, c'est ok dans la théorie, mais Important si le mec il là. est pas dernier et tout, qu'il y a des paliers, je préfère limper comme Greg en plus. Le mec il va être facile à jouer post-flop. Mais de base, théoriquement, c'est un push. Ouais. Ok, nouveau spot. Du coup, bah c'est ce joueur-là. Il est au cut-off. Ouais. Non, il dit plus 3. Ouais, ça doit être hijack. Ok, l'open shove. Avec 5 millions, 10 blindes. Oh là là. Oh, le spot de rêve. Du coup, t'as Ouais. deux rois ici. Bon, t'as deux plans. Soit tu shove. Et du coup, bah évidemment, tu considères que t'as pas de call fold. Et que les autres vont pas faire des erreurs derrière toi pour les adversaires. Ou soit tu just call. Pour essayer de C'est ça. induce les joueurs derrière toi à faire des erreurs. Après, je pense que c'est quand même. T'as quand même trop peu pour just call. C'est un peu cramé. De toute façon, derrière moi, ils n'avaient pas plus de stade, je crois. C'est quasi pareil. Ouais, donc tu ne sais rien. Ouais. Ouais. Ok, on voit que tu hésites. Enfin, que tu fais semblant. Bonjour et bon dimanche à toi. Merci, Poker. Le mec qui a peur de deux là, quand t'as annoncé en ligne, il a levé les yeux, genre il est en PLS. C'est dit putain, il va falloir faire un 2. Oh la vache! Oh là là, il y a deux dames derrière Grégouze. Incroyable. Mais il va go, hein. Ouais. Quel spot! Ouais, on se trouve de rêve là. Et là quand tu showdown là, enfin quand les cartes là, tu vas les montrer là. Regarde bien ton petit comportement là, là c'est marrant là. Ouais, mais là, il était un peu, hein. J'étais trop nerveux. Ouais, ça te voit que t'étais nerveux, regarde. Ah oui. Regarde, bam. Là tu vois les mains. Waouh. Ah ouais, mais en même temps c'est normal. Et là tu te dis incroyable. Ah là Oui. faut. Là, moi je te dis que en live, j'avais pris mon téléphone, j'ai fait que d'appeler les deux dans l'image. C'était 3, 3, 3, 3. Incroyable. Là, je me suis dit, je vais la prendre, là. Je vais la prendre, je vais prendre une Ah, dame, moi. tu t'es dit ça dans ta tête? Ah ouais, dans ma Ah ouais, tête, c'est je me suis incroyable. dit, si je prends ça maintenant, c'est l'horreur, quoi. Ah, ils font. En plus, là, ils mettent du temps avant d'envoyer les cartes. Hein. Ils font exprès. Hein. Ah, là, t'as le cœur qui bat à 3 000. Là. Ah oui. Et le Ah coup, il vaut une tonne. Là, hein. oui, en plus, tu sors deux joueurs, En argent, là, il vaut au moins 10-15K. Hein. Pas plus. là. Ouais, quasiment 10 Cela, cas, je ça te pense. fait passer premier, là, si tu passes le coup, là. Donc premier à. T'en sortirais un en plus, premier à 8 left. Ouais, le Ça Osindi vaut au moins là, un top 3, ça vaut au moins 20K. Hein. Oh là là, flop valet 8-5, parfait Grégouze. Allez, faut appeler les 3 là. 3-3-3-3-3-3-3-3. La commu en folie. Eh ouais, je me rappelle Costa, c'était ouf dans le chat. Eh, tu sais même pas toi Grégouze, t'as pas vu, mais le chat, comment il était en folie. Tous les vrai. Français étaient dans le chat. Hein. C'est vrai. Et ils appelaient tous le 3 là. C'est 3-3-3, moi j'appelais le 9, le 10. Je sais pas, un as. Ce que tu veux.
Salut, Aïe, salut. Ah là là, let's go! Là, Grégo, il t'a dans ses mains, là, c'est parti. Hein. Let's go. Du coup, ça te fait passer premier ce coup. Incroyable. Du coup, ça fait Du un coup, lui, il palier, reste ça. 400 000, je crois. Du coup, voilà, 8 left. Donc, lui, il a pris 4 384 euros. Du coup, toi, tu passes premier avec 50 blindes. Le deuxième en a 43. Après, 25, 20, 19, 14, 13. Donc, et une blinde chez OZ, là. Incroyable. Et du coup, t'as pas mal de pression à mettre sur lui, 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 lui et lui. Celui qui en a le plus de pression, c'est lui. Yosefi, là. D'accord? Après, sur lui, je voulais pas jouer trop gros pot non plus. Bah pareil, lui, je crois que sur Indon Mob, il a pas mal de gains. Hein. Bah, c'était lui qui avait Yosefi, genre 150 000 euros de gains, je crois. c'est... Ah ouais, non, je crois pas, non. Yosefi Cohen? Non, je crois pas. Ah, ok. Et genre 80, 90, un truc comme Ah, ça. ok. Ouais, mais ça se voit qu'il jouait bien. Ouais. Ok, bon, là, t'as Dame 10, t'es plus 1. Ouais, là, c'est plutôt Dame Valet l'open. Ouais, Dame après, Valet. Dame 10, tu le prends Et en tant que là, vu premier, que après, ça me j'ai dérange pas. un petit écart, je me suis dit, bon, Ouais, en je tant que premier, ça me dérange pas. vais. Et je voyais quand même que les joueurs, là, ils avaient quand même beaucoup de pression financière maintenant pour moi. Ouais. Ouais, on voit que tout le monde attend, hein. Et Ouais. OZ là, en 2-3 coups, il est remonté à 3 millions et demi. Hein. Il avait 900K. Hein. Putain, il est remonté à 4-5 blindes. Ouais. Non, il a quasiment 7 blindes là, 7-8 blindes. C'est 500 000 les blindes. Ok, Yosefi en SB. Là, il prépare le 3-bet. Bon, en même temps, c'est un bon combo. Niveau du size, peut-être faire 3 millions et quelques. Ouais, c'est ça. Il t'a fait combien? On voit pas encore l'affichage. Je dirais 3 millions et quelques. Ouais, 3 millions 4. Bon, pas de décision ici. Un petit tank et fold, pas montrer d'indice sur les timing tells. Voilà, c'est ça. Ok, parfait. Ouais, plutôt bottom dame valet. Après, tu l'avais pris pour le coup. Ok, donc là les blindes c'est 300 000, 600 000, donc il fait tapis avec 5 blindes et demi. Incroyable, Dolph, il se pose la question. Il aime pas fold. Hein. Après, t'es peut-être de l'acting, hein. Je dis ça, mais. As 10 off, du coup chez Grégousse, bon ça doit être un call évidemment. Je pense c'est quoi ton bottom dans les As 6 off là pour 5 blindes et demi? Tu colles pas tous Ouais, les As 6 off quand même? la suite, Ouais, je façon. pense pareil, les As suite et... Ok, bon bah d'écouter devant, allez, faut tenir, c'est important de le sortir. On se voit qu'il se lève, le tigre se lève. Allez, let's go. Ah, c'est fou comme sensation quand même. T'es en table télé. T'es... Tu vois, le floor, il vient derrière. Il dit, let's go, dealer. C'est magnifique. C'est bien comme expérience à Grégouze, hein. Je pense que quand tu fais un deep run de 3 jours comme ça t'engrange genre un mois de live. L'expérience. Des fois, tu peux faire un mois de live et des blancs tous les days. Et même pas faire un day 2 et tu prends moins d'expérience que d'en faire un comme ça de temps en temps. Se vivre 3 jours d'émotion, les stacks qui varient, d'en monter finalement des millions, alors qu'on a démarré genre avec, t'avais démarré combien? 50 000 jetons? Ouais, c'est ça, pas Voilà, beaucoup. donc, il y en a eu des choses. Bon, Ouais, roi avec deux cœurs au flop, c'était pas le meilleur board, et roi turn, drawing dead, ça loot. Bon, c'est pas le plus gros, hein, que tu fais doubler. C'était le dernier, du donc coup, c'est pas ultra dérangeant, heureusement. tout long du D2, j'avais un stack entre 15 et 30 DD, hein, Là, on pendant voit que tout t'as le 34 blindes, toujours premier, deuxième Yosefi, après 27, 18, 15, 13, 19. Donc beaucoup de pression à mettre. Alors, tout cela. Barfoot, celui qu'on a le moins, qui est dernier. Lui, il est assuré de temps. Et tout ce qu'il peut prendre, c'est bonus. 2, 2, 2, 2, 2. Eh ouais, Costa, les deux, ça n'a pas marché. Moi, j'ai appelé les deux, mais c'est venu roi XX à cœur. J'ai oh là là.
Ok, nouveau spot, nouvelle main, nouvelle situation. Ok, ça vient au bouton jusqu'à barrefoot. Il chauffe pour 8 blindes sur 300 000, 600 000. Tu te retrouves avec paire de 4 en SB, Grégouze. Ouais, là j'ai hésité aussi. Je voulais d'abord le prendre, mais finalement je l'ai pas pris, je crois que j'ai faux, je me rappelle bien. Et derrière toi, le stack, il a combien derrière toi? Ouais, il doit avoir aussi 5 millions, je pense. Ok. Ouais, je pense que c'est mieux de folder. Les Ouais. seules mains qui va chauffer que tu croches une tonne, c'est As-4 à As-2 et 3-3 à 2-2. Je pense qu'il Ouais. faudrait plutôt prendre des 2-6, 2-7 plus. Attendre de crush un peu plus de PP, d'A6 off que celle-là. Là, t'es souvent au mieux en flip. Hein. Ouais. T'as pas envie de jouer au mieux être en flip quand t'as un edge. Sauf qu'attention, tu vas avoir des situations de 60-40, 70-30, 80-20. On a vu que t'as bien pris ton temps pour réfléchir. C'est très important. Et tu vas être très très tight. Et c'est parfait dans ce spot. Enfin, je veux dire, quand t'es premier ou deuxième, tu auras une situation où tu vas être très tight le temps de prendre les paliers. Donc en vrai, t'as pas envie de le faire doubler, il est pas dernier, tu vois. Il va chauffer encore plus tight que d'habitude s'il est pas dernier, vu qu'il a de la pression aussi. Qu'il y a des mecs plus Ouais. short que lui, donc il va même pas chauffer As-4 à As-2. C'est même pas sûr que quand t'as 6-6-7-7, il chauffe 5-5 à 2-2 non plus, tu vois. Il y aura un meilleur spot à prendre. Ouais, t'as des meilleurs spots, exactement. Ok, Yosefi, il va open. Sur 300 000, 600 000, il a fait combien? Il a fait 1,3 million et il a du coup 30 blindes. Toi, t'as As-9 off au bouton, Grégouze. Là, je pense que t'as un des meilleurs spots à prendre dans le 3-bet. Alors, c'est pas un spot que tu prendrais de base, bouton contre MP. Dans la théorie, ce serait plutôt des As-10, des As-Valet off, des As-9, As-8, As-7, As-6 suite. Je sais pas, des rois 9, dames 9, valets 9 suité, des mains comme ça, tu vois. Mais ici, étant donné que tu es premier, il est deuxième, qu'il y a beaucoup de pression ICM sur son dos, que toi, en gros, tu peux 3 bet des mains, que lui, il peut pas call le 3 bet ou 4 bet all-in, je pense que c'est un bon spot dans la manière exploit avec le bloqueur. Tu bloques ce qui va de plus te 4 bet, genre 2 as, as dame, as roi, as valet, 2 9. Ici, avec ce spot-là, de base, lui, il devrait call le 3 bet, alors que là, je pense qu'il n'a pas d'autre choix que de folder. Et puis c'est pas une question d'ego ou autre, c'est juste que je pense que surtout lui, si t'avais repéré sur le moment qu'il était compétent, il va faire encore moins d'erreurs que les autres dans cette situation-là. Enfin, il le sait au fond de lui-même, il va le savoir sur le moment où il est deuxième et que tu vas 3-bet, qu'il a pas le droit de spew avec tous les joueurs derrière lui qui sont censés être moins bons que lui et qui va prendre tous les paliers, tu vois. Ouais. Donc au final, Je t'es pense que très tu aurais content call dans quand ce même. spot-là 3-bet, tu vois. Je voulais pas 3 bêtes parce que je suis persuadé qu'il allait call et je préférais fold. Je pense qu'avec cette main-là, de base, c'est un call chez lui, alors que là, il serait permis de folder, tu vois. Enfin, je Ouais. pense. Je peux me tromper, mais. En tout cas, je pense que de manière exploitivement parlant, dans la situation, c'est bien de le prendre ici, tu vois. C'est même si tu sais que de base, tu le fais pas. Après, le tight fold, il va pas me déranger non plus. Ouais, je voulais pas Mais en fait, lancer le fait que trop tu te tôt. commites sur les joueurs derrière toi, tu vas représenter beaucoup plus de force que ce que tu as réellement. Il faut vraiment qu'il ait un peu d'ego pour se dire, attends, là, le spot, je le crois pas, et de 4 bêtes, tu vois. Mais bon, après, si c'est ça, bah, c'est pas grave, t'inverses sa situation, tu passeras deuxième, lui passera premier, mais tu te laisses faire, c'est pas grave. De toute façon, les paliers, tu vas les prendre autant, tu vois. Mais là, je pense que c'était quand même une bonne situation. Après, c'est pas grave. Ça m'a trotté dans la peau. Ouais, Roi 8 au cut-off. Ah, le bottom c'est plutôt roi 9 off plus. On voit qu'il abuse un petit peu quand même. Après, il a 30 millions. Vous êtes quasiment égalité en stack. Ah non, là il domine. 30 millions contre 19. Ah, il est passé devant. Là, 6 et 3, je pense que bébé contre cut-off. Surtout dans cette situation-là avec les paliers et tout, faut pas défendre. De base, on défendrait plutôt 6-4 off plus, 6-2 suite et plus. Là, je prendrais plutôt 6 et 5 off, tu vois. Ça, j'ai bien Est envie de. défendu là, je sais plus. J'ai bien envie de le folder. Ouais. Ah ouais, t'as défendu. Je pense pas, tu vois. Je pense Ouais, qu'il c'est faut bien. folder. C'est un petit tight fold, mais c'est mieux, je pense. Surtout que c'est pas le joueur qui va le faire le plus d'erreurs, tu vois. Il sait ce qu'il a à faire dans ces situations-là, je pense. Ça se voit qu'il est à l'aise aussi, tu vois.
Il y en a plein, on le Eh voit qui sont un peu anxieux, mais lui, il a l'air assez à l'aise, il a l'air assez tranquille. Bon, bah. Ciao, bello. Tu vas check, il va bet, hein. Évidemment. Il va envoyer un petit 800K. Il a fait combien? 900. Ouais, Ah, 900. Quasiment un quart, c'est ça. C'est bien. Un tiers, un quart dans ces spots-là. Ok, là on voit que vous êtes toujours 7. Ah, ça va aller chez TG. Avec 8,8 millions, bon, il doit envoyer d'affaires tapis hein, quand même, je pense. S'il a beaucoup de la pression ICM, il doit folder direct. Je sais pas, après, là, on n'a pas trop l'infographie sur les stacks de tout le monde. Ouais, il a open, ouais, j'aime moins l'open. Après, s'il y a beaucoup de pression ICM, pourquoi pas, mais s'il se frotte à des stacks plus gros que lui, c'est pas incroyable, je pense. Ok, t'as Roi-Dame, Grégouze. C'est plutôt chiant parce qu'en vrai, s'il y a de la pression ICM sur son dos, il va pas open des mains moins bonnes que la chaîne. À part hein, des petits brodés suités, tout ça, des bons connecteurs suités. Et tu vois, quand il open encore des As-10, As Valet off et tout, c'est quand même des mains qui te crush. Genre, je pense que tu peux tight fold quand même là ce spot. Même si t'es au bouton. Genre, en fait, c'est pas question de visualiser ta main, c'est par rapport à sa range, tu vois, et la situation quoi. Ok, t'as flat. Je me rappelle de ça. T'es Pas réussi à fold dans ce moment. Je sais pas. Écoutez, en fait, en live, le problème, c'est quand t'es en full rig, je connais ce sentiment, tu fais tellement que folder que tu te dis, hey, roi dame, c'est trop beau. T'as l'impression que t'as as dame suit dans les mains, tu vois. Mais ouais, du coup, bon, il a s'embêter là parce que post-flop, bon, il y a déjà 3,9 millions au milieu, il en reste 7,6. Espérons que tu frappes le board quand même. Là, il dit two players. Et là, on voit le board. Ok, Dame 5-3, bah, plutôt un bon board pour toi. L'avantage de range, il est un peu chez lui, mais aussi pas mal chez toi. Genre, toi, t'as pas mal de brodés suités, possiblement, genre des Dames 10, Dames Valet, Roi Dame suit, des Rois Dames off, t'as le droit d'avoir des paires de 5, paires de 3, des As-5, As-3 suit, des 6-6, 7-7, 8-8. T'as pas chauffe préflop tout le temps, en tout cas, il peut le croire. Moi, à sa place, j'aime bien bet As-Valet avec l'As de pique, moins As-Valet et le Valet de pique. Ça, quand turn, ça fait pique, je peux appuyer, tu vois vraiment dessus. Mais ouais, c'est souvent des boards qui vont c-bet les joueurs. Après, je pense qu'ils peuvent aussi checker avec ce combo. Peut-être qu'il veut te faire fold tous les bros de suite et qui n'ont pas touché le board chez toi. Il veut te faire fold toutes les pocket pairs. Après, je pense pas qu'il te fera fold paire de 4, paire de 6, à paire de 8, paire de 9 que tu n'aurais pas chaud préflop par exemple. Puis il te fera fold que les 4, 4, 2, 2. Et encore, c'est même pas sûr avec un pique que tu les fold. Ok, c'est bête un tiers. Bon, toi, tu sais, dans ta tête, il a le droit d'avoir encore As-Dame, 2 rois, 2 As, donc t'as pas le droit de raise évidemment. Il a le droit d'avoir des As-6 de pique ou autre, mais faut garder les bluffs, les As-10, les As-Valet, les As-3, les mains qui ont rien. Pas envie de t'isoler contre les mains qui te crush. Après, c'est sûr que si on visualise juste ta main, ce qu'il y a au milieu et la protection, t'as besoin d'avoir un peu à voir. Il y en a beaucoup qui auraient push, tu vois. Mais je pense qu'il faut réfléchir en termes de range. Et puis là encore des Asdam, des Rois-Rois, on peut avoir les As aussi. On peut spot. Ok, turn 2. Bon, là, 2 rois, 2 as, il va 2 barrel très souvent, je pense. Quand même besoin de protect, tu as représenté beaucoup une dame, donc il va 2 barrel. As dame, il va 2 barrel, donc si check, il sera capé. Entre paire de valets à paire de 4, des 3x, 5x, 2x, il aurait pu open de temps en temps, genre As-3, As-5, As-2, même si je pense que la plupart ne le feraient pas, mais des PP ou des As-10, As-valet, As-3, tu vois, contre lesquels t'as pas besoin d'une tonne de protection. Donc là, je pense à ta place, c'est fou que tu bet small ou tu check. Ok, on voit que tu t'es annoncé tapis là. Ah, il y a un pas de Ouais, mais je préfère quand même faire petit parce qu'en fait ici il est capé, tu vois. Genre de temps en ouais. temps il a encore deux as qui veut te trapper et tout. Je pense deux rois il a pas, as dame il a pas.
Roi Dame il a pas, genre Brelan il a pas, il aurait deux barrels, du coup c'est au mieux il a une PP ou alors il a SA et genre As-3, As-Valet, As-10 qu'il a give up tu vois. Qui collera jamais du coup. Ouais, j'ai préféré chaud, prendre des pots à 20 millions. Il revient quand tu veux un croc? Bientôt Dad, il travaille encore hein. Sur les bateaux là. Hein. Bon du coup il a foldé Grégouze, je pense que tu pouvais faire petit après ça me va. Ok, nouveau spot. T'as Dame 10 ou hijack. Je pense que tu peux le prendre celui-là. Ouais, je pense que j'ai fou. Ok, t'as open, c'est bien. Ah, le bottom c'est valet 10 off plus. Plus t'as des bons bloqueurs, là tu leur mets la pression. Après je sais pas c'est qui en bébé, c'est Yo, c'est Fizz, Cohen. Là en bébé c'est le spot est un peu moins beau. Non, c'est le gars tranquille du cheval pour l'homme là, Ah, c'est ça d'accord, non? ouais, bon là c'est parfait. Ouais. Au bouton, au Z qui fold avec la pression ICM. Ah non, c'est Yo, c'est Fizz, tu vois, en bébé. Ouais. Avec ce spot là, moi en vrai, si c'est lui en bébé qui est compétent, tu peux tight fold, tu vois. C'est toi en fait, c'est toi qui a le plus de pression ICM sur le dos. Parce que si, j'ai déjà expliqué plein de fois ce spot là, ces situations là, mais si toi par exemple, là, la première place c'est 60 000 euros et que la deuxième c'est 30K, et que là, la septième, vous prenez un exemple 8 000, tu soustrais 30 000 à 8 000, ça fait 22 000, c'est t'as 22 000 euros fictivement de plus dans les mains que le septième, en étant actuellement fictivement deuxième sur 7. Donc, c'est toi qui as le plus de pression ICM sur le dos, tu vois. Et lui, il est censé mettre une tonne de pression. Bon, ok, flop As-3-4, avantage de range chez toi, il faut se bet petit, un tiers. On bloque les meilleures mains de value, on bloque As-Dame, on bloque As-10, on bloque Roi-Dame, on bloque Roi-10, on bloque les mains qui vont check-raise une partie du temps, Valet-10, Dame-10, Dame-Valet, on peut faire fold toutes les paires de 8 à paires de 2 chez lui, des vieux 4 tout de suite, si certains ils vont en fold, on peut débarrer toutes les turns vu qu'on a gutshot. Très, très bien de bet petit ici à la place de Greg, je pense. Bon, on voit que le mec a snuff fold. Parfait. T'avais bet petit, c'est bien. Spot suivant. Du coup, petit point sur le classement. Toujours 7 lèvres. 39 blindes chez Yosefi. 31 chez toi, Grégouze. Dolph. Qui en a 18. Et 9, 8, 6, 5. T'imagines la pression que t'as là? ICM sur le dos, genre, elle est incroyable. Ok, on a fait un petit point sur le classement. Nouveau coup. Merci pour le follow, Olive. Bienvenue dans la team. Quasiment 3 500 followers sur Twitch, c'est énorme. Merci à tous du soutien. Vous êtes quasiment 70. Un dimanche matin. Un dimanche matin. C'est sur Twitch, ça fait plaisir. Du coup, nouveau coup. Blind 400 000, 800 000. Ah, on voit que les mecs, ils ont 5 blindes et demi, 6 blindes à chacun. PLS là, c'est comme un sat. Dame Valet, lui de base c'est un push, mais là il peut pas. Sauf s'il est dernier. Tu verrais l'état de mes yeux, aïe, 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 je compatis, aïe. Le matin c'est dur. Vous êtes là les gars, vous soutenez. Et hey, il a fait tapis de Nice. Ok, et toi t'es en bébé avec As-4. Bon, il a, on a dit, les blindes c'est 800 000, donc 8 fois 5, 40, il a 5 blindes et demi quoi. 5 blindes et demi, c'est relou, mais bon, je pense avec bébé hanté, ça doit être ok. Hein. T'as largement 40%. Après, encore une fois, si t'as l'ICM sur ton dos et que tu veux pas réduire l'écart entre toi et eux, qu'on a vu avant sur le classement, tu vois, qu'il y a quand même beaucoup d'écart, tu peux tight fold. Hein. Théoriquement, c'est un call, mais le fold, en vrai, je préfère quand même plutôt que le call. Je pense que ce coup-là, il te fait plus mal quand tu le perds que quand tu le gagnes. Genre, quand tu le gagnes, tu passes même pas premier. Tu vois, tu passes à 27, 27, 28 millions, alors que l'autre, il en a 32. Enfin, quand je dis l'autre, pardon, Yosefi, il en a 32, tu vois. Du coup, bah, toi ici, gagner le coup, ça change rien à ta situation, tu subis toujours l'ICM. Par contre, le perdre, bah, tu réduis l'écart entre le troisième et toi. Tu vois? Et entre les derniers et toi. Donc, j'aime moins quand même dans la situation de l'ICM. Sinon, théoriquement, je comprends pourquoi tu call. Hello la team, salut Matt, salut Parabellum et gros GG Greg. Aïe, aïe, aïe.
Salut à toi Parabellum, j'espère que ça va. Du coup, on voit que t'es embêté, Grégousin. Ouais, bah oui, j'ai réfléchi longtemps. Je me suis dit, je fais pas la spoil. Je m'étais dit, s'il faut prendre le spoil, je le prendrai. Et puis, j'ai pris, quoi. Ouais, je pense, tu vois, stratégiquement parlant, je pense que tu peux Stifle. Pas nul. Ouais, il y a beaucoup de mains quand même qui m'achoppent et je domine beaucoup, quoi. Ouais, c'est les derniers, c'est sûr, mais encore une fois, c'est pas question de théoriquement c'est un call ou pas. Hein. Il est dernier. Ouais, mais c'est question que. Le truc, c'est qu'ils sont 3-4 à être stack Ouais, égalité. je Tu comprends, vois? ouais. Et que le troisième, toi t'es deuxième, et que le troisième il a que 20 blindes, et que toi t'en as 30. Ouais. Enfin, sans le coup, tu vois, surtout là maintenant t'en as 25, mais eux en ont que 15 ou moins, tu vois. Ouais. Donc en gros, quand tu perds le coup, tu tombes à 10, tu tombes à 15 comme eux, tu vois. 15 et 10 bébés au moins chez eux, donc l'écart, tu le réduis. Avoir la position peut-être. Olive, c'est bébé contre Hijack, mais c'est pas question de est-ce que c'est un call ou pas. De base, c'est un call, mais c'est juste pour la situation de l'ICM. Moi, je pense que c'était mieux de Tidefall quand même, tu vois, stratégiquement parlant. Mais c'est qu'une question de stratégie, tu vois. Donc, pour le coup, avec la pression que tu subis un peu sur le dos parce que t'es pas premier. Si t'es premier et que tu perds le bloc, ça te laisse toujours premier et tout, tu vas le prendre, tu vois, Grégouze, mais c'est pas pareil. Genre, le coup, te fait pas plus mal quand tu le perds, quand tu le gagnes, tu vois. Et la briquette, bon tu le sors, bon c'est bien. Ok, donc tu vois, on voit que sur le coup, vous êtes 6 left, et du coup tu es toujours deuxième, t'as vu? Et derrière c'est 16, 12, 8, 8, 6, donc l'autre il avait pareil 5 blindes, ça faisait 5, 6, 8, 12, 16, 25 chez toi. Ouais, Tu j'étais toujours deuxième, même si je le perdais, quoi. Mais tu vois ouais, mais tu vois la situation quand tu le perds, tu tombais de 25 à 20 blindes et ça faisait 20, 16, 12, 8, 6, tu perdais beaucoup, t'avais beaucoup moins d'écart Ouais. entre avoir 25 blindes par rapport à avoir 10 blindes de plus que le troisième, tu vois. C'est question de stratégiquement, là j'aurais préféré Tidefall à ta place, mais bon, je comprends. Ok, du coup très bien, il y a toujours beaucoup de pression ICM sur ton dos, juste à attendre les paliers. Chaque palier vaut une tonne là. Ok, nouveau coup, OZ, Jindy qui fold, Yosefi 8 et 2 au hijack, il va folder, toujours 400 000, 800 000 les blindes. Ok, Barfoot KS 4 au bouton, 400 000, 800 000. Bon, s'il est dernier, normalement il doit push, mais après là, vu qu'il est peut-être pas dernier, il va peut-être pas push. Il n'a pas joué une main de la TS, il a fait. Fall. Bon, t'as Roi 9 suité en SB contre un stack qui doit avoir. Les roses, c'est 500 000, donc il a 1, 2, 3, il doit avoir 4 millions, 5 millions max. Le mec à tête à gauche, donc tapis. Tous les rois suités, les rois off. Il a combien en tout? Ouais, il a. Ah non, il a 8 millions quand même. Ouais, mais 8 millions, c'est 10 blindes. Je pensais qu'il avait moins. Les bleus, c'est 25 000. Ouais. Non, les bleus, c'est. Ouais, c'est les noirs, 100 000. Les noirs, ce sont les Ah deux. d'accord, ouais, donc ouais, il a 1, 2, 3, 4, ouais, ok. Bon, de toute façon, ça reste un push même pour 10 blindes. Je pensais qu'il est un peu moins visuellement. Ok, et du coup, là, tu passes premier Grégouze sur ce coup, 39, 32, 16, 12, 18. Parfait. Donc là, toujours 6 left. Maintenant, c'est toi qui passes premier. Bon, après, on voit que chaque pot vaut une tonne, hein. Bah oui, c'est Chaque pot que tu prends, tu gagnes des 2 millions par-ci, par-là. Ok, t'as As-4. Bon, vous êtes 6 max. Ouais. T'es MP. Bon, de base, c'est plutôt As-9 off plus le bottom. Après, si tu mets la pression sur un mec qui est pas dernier, je peux trouver ça ok. Dans ce cas-là, tu fais 2,5. Ouais, tu leur mets max pression. Tu fais 2 millions, genre. T'as fait combien? c'est un peu moins, je crois. 2 millions. Il est 2 millions. là. Aïe, 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 aïe. aïe, Ah, les flèches. Oh là 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 là, bon t'as mis un carte sans stack mais t'es pas commit hein. En 9 jetons ok mais c'est catastrophe de code, open call à ta place, il faut absolument open fold. Bien réfléchir, bien tank pour pas leur pareil leur donner de timing tel mais open fold quand même.
Il est quand même revenu de nulle part, lui, il restait une blinde. Et là, ce que tu dis dans ta tête à ce moment-là, putain, il me fait Hein. chier, il revient d'une blinde et... Oui. Bon, je savais que j'allais folle, là, de toute Tu faisais juste façon. semblant, hein, t'as bien fait. Bon, Ouais. toujours un poste au classement, 8 blindes, 9 blindes, 13, 13, 34, 39. Tu vois pas, là, le Yosefi, il a une pression ICM de mutant, là. Parce que l'écart entre la deuxième et la troisième, il a 20 blindes de plus, quasiment. Ok, nouveau spot. Yosefi, au cutoff. Ah bah là, là, s'il open une oreille, s'il open, s'il bouge une oreille, j'allais dire, faut que tu lui coupes l'oreille. Charge de fusil. Ah, ça me fait penser à Alain. Alain en stream une fois, il avait dit, eh, moi je comprends pas, la ponte quand il est en deep run, il open, tout le monde folle. Moi je open, je me fais couper l'oreille. Elle a, oh là là, en plus t'es en bébé. Et là c'est le spot parfait. Hein. C'est pas parfait, ouais, pour Ouais, pouvoir bêter. il fait 1 million 7, il faut que tu fasses un petit 3 bet ici. Enfin, je pense si t'es en value, tu ferais... je sais pas, faudrait que tu fasses au moins, je dirais au moins 5 et quelques, 6. Hein. Ouais. C'est ce que j'ai fait, je crois, ouais. 5 100 000, un truc comme ça, Pour lui mettre un petit levier. Tu utilises tes bloqueurs sur les mains les plus fortes chez lui, genre As-Dame, As-Roi, As-Valet, As-10. Et le truc, c'est que tu peux 3-bet des mains que tu peux pas open call le 3-bet avec la pression ICM, s'il comprend un peu là. Et lui, il comprend, tu vois, c'est le bon profil pour le faire. Genre là, lui, il va fold des As-6, As-7, As-8 suité, des As-10, As-Valet off. Ça se trouve, il va fold des Rois-Dame, Rois-10, Rois-Valet en off, des petits Bro-2 suité, des bons connecteurs suités, tu vois. ouais. Donc, très bien ici de faire ça, je pense. Snap fold, parfait. Let's go. Bien joué Grégouze. Bon spot là. Ah, t'as fait 4 points mignon. Ah, tu t'es peut-être trompé sur le sizing, mais faut faire plus cher. Hein. Ouais. C'est 1,7, 4 points. Bon. C'est bizarre que j'ai fait 4 millions. Je Ouais, pensais que peut-être 5 que j'avais trompé fait aussi. l'affichage. Ouais, j'avais vu une grosse pile de rose quand même. Ouais. Ouais, Jack As-10. Bon, open en plus. Bah, après, c'est toujours sur la blinde de Yosefi là. Quand t'es White Jack, en fait, c'est lui, il est en bébé quoi, en gros. Open, open fold standard, bottom c'est la suite of plus, on peut open plus bas. S'il y a de la pression ICM et si on attaque des joueurs qui sont plus short que nous, et dans ce cas-là, tu restes toujours sur un sizing de blindé et demi sur tout le monde, sauf s'ils sont très très short et tu les impactes autant en faisant que 2x. Bon, il a 19 suite au cutoff, il est très embêté. Après, que les shorts et tout, il peut pas faire grand-chose. Hein. T'as quand même Bah, matraqué la table, te dit Olive. Bah, il a essayé, hein, les gars. Il a fait au mieux. Ça le dérange, ton voisin à droite. Ah ouais, il en a rendu fou. Ah là là, Yosefik en OSB avec Roi-Dame. Ok. Et les deuxièmes en stack. Bon, en vrai, à sa place, il doit flat ou fold, tu vois. ah Il a quand même ouais, tu foldé. dois. Il a 3 bêtes, non? Ah là, il réfléchit. Ah, il prépare des jetons. Ah ok, il avait préparé sa petite pile déjà. Il s'est dit, attends, je prépare mon prochain 3-bet, tu vas voir. Tu vas voir, Schnaps click. Moi, je la bois, la Schnaps. Ah, s'occuper de lui après. du coup, alors, il t'a 3-bet, c'est une situation vraiment particulière qu'il te 3-bet en étant deuxième quand même. Hein. C'est plutôt Ouais, bien joué parce justement, en qu'il plus. Ouais. représente strong. Mais ici, je pense que toi, tu veux rendre les coups les plus low variance possible. T'as des meilleurs spots. Genre, t'as tellement de. En fait, lever ici de 4 bet light, imaginons. Ok? Et de prendre ces 5 millions, tu vas les récupérer en 2-3 spots d'open sur des mecs plus short. Qui, Ouais, eux, tout peuvent à pas fait. bouger une oreille. Tu vois? Donc, conserve ton stack. Sur le long terme, ici, il sera beaucoup plus penché en value qu'en bluff. C'est là où il a été bon sur le coup parce qu'il l'a fait en bluff. Avec des bons bloqueurs, et là du coup ça représente strong, tu vois. Mais Ouais. stratégiquement parlant, je pense que c'est pareil. S'il gagne le coup, il revient à égalité avec toi, mais il est toujours deuxième, il n'y a pas de changement. Et s'il le perd, par contre, il réduit l'écart entre les mecs derrière lui et lui, tu vois. Ouais. Moi, je préfère quand même à sa place tight fold ou flat, mais. Non, mais en vrai, il a quand même fait un bon spot de 3 Ouais. bêtes. Tu vois, il t'a fait ce que t'aurais dû faire tout à l'heure en ça, et 5 points, Ouais. peut-être. Bon. Salut la team, salut Mika. Ça va? Merci à tous, vous êtes quasiment 80. J'espère que ça va, les amis, que tout va bien. Sur Twitch, posez-moi des questions. N'hésitez pas, les amis, posez des questions à Greg si vous en avez. On review pour ceux qui n'étaient pas là. La victoire du 230 euros de Benelux à Rosvadov pour Greg pour 70 000 euros. Et là, ils sont plus que 6, c'est la TF.
Du coup, Yosefir passé premier sur ce coup, 34 contre 29 contre 10, 10, 5, 4. Bon, il n'y a pas qu'après ce coup, il est passé premier. Hein. Il a dû voler un ou deux spots qu'on n'a pas vu. Les blindes, c'est 500 000, 1 million. Donc 29 blindes, 10, 10, 5, 4. Donc pareil, une tonne de pression ICM sur ton dos, Grégouze. Là, on voit que tu demandes au croupier, c'est à quelle heure mon trophée? Au début, il rigole, le voisin à droite, maintenant il est dans une autre humeur. Ouais, c'est vrai, Olive. Ok. Paire de 3 chez Barfou, JTG. Ah, il a 4,9 blindes. Ça commence à être compliqué pour lui quand même là. Ouais. Peut-être qu'il prenne un spot là, hein, s'il est dernier. Et dit, il a pas joué. Là, C'est son moment là quand même, s'il est dernier. Hein. C'est il y a son déjà un spot heure qu'il devait de prendre avant le bouton. gloire. Hein? Il y avait déjà un spot qu'il devait prendre avant le bouton avec As-2 ou As-4. Ouais, alors on les a pas tous vus, hein, comme j'avais dit, on peut pas regarder les coups de tout le monde. Oh là là, t'as deux rois, Grégouze, et t'as 29 millions. Du coup, avec le recul, c'est quoi la strat là, le plan Ici, c'est tank call. là? Ouais, alors on prend dans notre range d'induce deux dames, deux rois, deux as. Quel but ça a? Alors, Imagine Dieu faire qui joue des la petite paire erreurs. derrière. Vas-y, vas-y, dis-moi. Bah là, je vais tank et puis je vais call. Et du coup, ça va induce les joueurs qui sont derrière moi parler après moi. Exactement, donc en gros Après, ils tu vas sortent essayer derrière. de leur faire faire plus d'erreurs que si tu faisais tapis qu'ils se disent tiens je peux assurer un palier et du coup quand j'ai 2-9, 2-10, je sais pas, As-Dame, As-Valet off chez eux derrière et qu'ils sont short ils fold. Alors que là quand tu just call il y en a plein ils vont dire ouais c'est pas trop. Toi en gros ici quand tu just call tu représentes soit deux As, deux Dames, deux Rois ou soit des mains pas assez fortes pour shove, pas assez faites pour passer, pour eux en tout cas, en perçu. Ce qu'ils vont percevoir, donc finalement une range un peu capé. Du coup, bah, ce qui est parfait, c'est que quand ils ont ces mains-là, que j'ai cité avant, les 2-10, 2-9, 2-8, je passe, dame, as, valet, shoot, ils vont y aller quasiment tout le temps. C'est des joueurs récréatifs. Donc, de toute façon, ici, toi, t'as pas de call fold derrière, mais eux, ils le savent pas que tu vas pas le faire équilibrer, tu vois. Et que t'as que 2 dames, 2 rois, 2 as dans ce spot. Bon, maintenant, ils le sauront s'ils traduisent le contenu. Attention, ta prochaine table télé à Rosbadoff. Hein. Ah, mais je pense que ça change rien, tu vois. Juste pour leur faire faire un peu plus d'erreurs. Donc bien tank et just call. Et du coup lui il s'est carrément dit attends je vais baisser ma capuche, comme ça ils verront même pas mon langage corporel. Je regarde même pas le showdown. Ok du coup t'as just call Grégouze, très bien. En plus collé, regardez avec le petit point sur le front là en PLS. Regardez l'attitude là, genre je suis pas bien. Oh là là, et derrière du coup il y a 2-10. Délice, Et du coup, bah là, le plan se déroule sans accroc, là. Là, il y a des ah grandes merveille, chances qu'il push. Hein. ah merveille, ouais. Alors qu'en Et là, vrai, je si pense tu que... push, lui, il se dit, attends, je prends le palier, vu que lui, il est plus short, bah ça se trouve, il la fold, hein, sa paire de 10, Voilà. hein, Ouais, sans tout à fait. hétéro, tu vois. Ouais. Et bah, parfait, hein, que t'as réussi à induce quelque chose derrière, j'espère qu'il va shove. Et il demande combien il joue, le mec. Incroyable. Il sait même pas que t'as just call, hein, ça se trouve, il voit pas. Hein. Pourquoi il demande pas, pourquoi il te regarde pas, toi? Enfin, le danger, en vrai, c'est toi, ici, là. Incroyable. Tu vois, il demande que le stack du mec. Ouais. Ça se trouve, il a même pas vu les jetons roses devant toi. Hein. Ça serait magnifique. Oh là là, la pile. Oh là là, t'es heureux, Grégouze. Tu vois ça, tu te dis, mais comme dans un dream. Putain, ouais. Ah là là. Tout le monde fold derrière. Jusqu'à la Ouais. bébé. 10 et 8. Roi 9. Ah, 9-9 en bébé. Hey Dolph, t'es ma Dolph, il aime pas fold. Aïe aïe. T'as regardé, il a dit fuck. T'as vu? Oh là là, légendaire. Allez, le 2, le 2, le 2, le 2. Ah oui, on va essayer de faire le strike là. Et ouais, Grégouze va essayer de faire un strike. Oh là là. Et là, ce coup-là est encore plus important que celui d'avant. Hein. Ah oui. Où t'as eu pareil, deux rois. C'est la deuxième fois où t'es contre deux under pairs. Hein. C'est incroyable. Ouais, c'est un truc de fou, quoi. Deux fois avec les rois en plus. Allez Grégouze. Putain là le coup, moi je t'avoue que sur le coup un moment, je te regardais en direct, enfin à côté et tout en même temps. Je faisais mes coachings et tout dans les moments où j'avais du coaching. Sinon entre temps où je te regardais pendant que j'avais rien, et bah mon cœur il palpitait là à ce moment-là. Mon cœur il s'est mis à palpiter en mode là si tu prends le bad là tu vas m'en parler. Je me dis mais il va m'en parler toute sa vie Ah ouais, Grégouze. ben là, c'est gravé à vie, Ah ouais, quoi. mais là, c'est moi, j'ai des potes qui ont déjà pris des vannes à ce moment-là, ils ont resté choqués à vie. Hein. Incroyable, tu peux faire le strike en plus, c'est ouf, pour 19 millions. Le call 10-10, c'est une cata, ouais, je suis d'accord, Glorine, mais bon. Ça sert à ça, l'induce.
surévaluer sa main. Alors que si tu fais tapis, des fois ça rentre dans sa tête et il fold, tu vois, parce qu'il va visualiser que l'argent qu'il peut gagner en plus en foldant, tu vois, si tu sors le mec. Là, je pense sincèrement, si je fais tapis direct, il fold. Je pense qu'il fold. On peut pas savoir, tu vois, réellement, mais bon, peut-être qu'il colle, mais moi je pense qu'il fold. Hein. Parfait, la briquette à la terre, allez, le 2, le 2, le 2, le 2, le 2. Allez, 2, 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 2. Oh, le croupier est tellement long. Oui, elle t'as vu, lui, du coup, il était plus à droite, il était plus content que toi. Ouais. Il a pris deux paliers, le mec, il était trop refait, lui. Ah ouais, il a encore plus célébré que toi, c'est beau, hein. Ah oui, j'ai pris 10K là sur Oh là le là, 10K d'un coup, let's go. Du coup, 4 left, 42 blindes pour Grégousse, 34 chez le deuxième, chez ouais. Yosefi, 10 blindes chez OZ, et Dolph, 8 blindes, ok. Incroyable ce spot. Toujours blinde 500 000, 1 million. Du coup, quelle situation rêvée. Ouais. Assuré de minimum 20 et quelques mille euros là déjà. Hein. Ouais, c'est ça. Incroyable. Ouais. Je crois que c'était 18, je crois. 18. 18 le prochain palier, Quasiment je crois. 20K, c'est ouf. Donc là, vous êtes 4 left. On voit que Yosefi open, alors plus les deuxièmes. Il n'a pas trop le droit d'open ce spot quand même. Après, il est cut-off. Si tout le monde se laisse faire, ça va. Toi, t'as 5 off en SB. Aïe, aïe, il comprend pas. Il va encore manger le 3 bet là. Là, pareil, très bon spot à 3 bet. On bloque ce qui nous crush le plus. Deux As, As Dame, As Roi, As Valet, As 10. On peut 3 bet fold des mains que lui, il peut pas 4 bet all-in vu qu'il a la pression ICM. Je rappelle que là, ici, la quatrième place, il a assuré 18 000 euros. Dans l'exemple, il y a 30 000 euros à la deuxième place. Donc vous faites la soustraction des 30 000 euros moins 18, ça fait 12 000 euros. On peut dire que Yosefi Cohen a 12 000 euros de plus dans les mains que le dernier ici. Donc c'est la pression ICM qu'il a sur le dos. Donc quand c'est un 200 euros le buy-in, c'est très important, je pense, qu'à sa place d'être très tight. Et du coup, dans ces situations-là, il pourra tout simplement rien faire avec plein de mains qui sont meilleures que la chaîne. Genre s'il a As-6, As-7, As-8, As-9 suit, je sais pas, As-9, As-10, As-Valet off, il va devoir open fold. S'il a des PP, genre paire de 6 à paire de 2 ou même paire de 7 à paire de 2, il va ni 4-bet all-in, ni call le 3-bet, il va folder. Toutes ces mains-là, c'est des mains meilleures que la chaîne. Donc je pense qu'ici, il faut que tu 3-bet. Ok. On voit que tu es en train de préparer des jetons. Ouais, même spot 40. On voit que tu réfléchis au side. Moi, je dirais qu'ici, il faut quand même. T'es hors de pause, faut quand même lui mettre un gros levier. Genre, faut que tu fasses 9 blindés et demi, tu vois. Enfin, 9 millions et demi. 8 millions, entre 8 et 10 millions. T'as besoin de faire 10 vu que c'est quasiment un tiers de ton stack, mais 9 blindes, 9 millions et demi, je pense c'est très bien. Ah, t'as pas fait énorme, hein. T'as fait Non, comment? j'ai pas fait énorme, mais parce que je crois que lui, ouais, il était commit derrière le Jindy, là. Ouais, mais bon, quand Là, même, qui c'est au cas où après, que le là, Jindy fold, il faut quand même que tu mettes la bonne pression à un Yosefi qui réfléchisse pas à flat. Regarde là, il réfléchit en termes de cote, il se demande s'il peut flat là. qui Moi, je pense qu'il faut que tu fasses 9 millions et demi de base, et après, bah, si l'autre il call, de toute façon, t'es commit dans tous les cas, que tu fasses 7 millions, 9 millions et demi, tu mets plus que son stack à Jindy, là. T'as vu, il réfléchit à call, hein. Ouais, Quand mais même ça, bizarre parce ce que c'est spot quand pas folle, même. je pense. Il n'y a pas besoin de faire plus cher, je pense. En fait, c'est juste qu'au cas où lui il fold là. Alors c'est sûr que Ouais. quand lui va go broke, bah t'as pas besoin de faire plus cher, mais quand lui il fold, bah là tu lui dis en gros t'as mis 2 millions et demi et j'ai mis 7 millions. Donc en gros, il a 4 millions et demi à rajouter. Et tu vois, donc tu lui laisses une cote de flat avec des mains comme Roi 9, Roi 10, Roi Valet suit, As 10, As 9, As Valet off que t'aurais fait fold en mettant 9 millions et demi. Donc c'est au cas où la bébé go broke, tu représenteras pareil. Tu vois, moi je pense que c'est un détail, mais c'est important quand même. Toi, ton but, lever de ce play là, c'est de prendre lever pré-flop, c'est pas d'être collé et de jouer ta jouabilité post-flop, tu vois, qui est pas incroyable. Ok, du coup t'es commit sur l'autre, il a deux valets, Ouais, mais bon, de toute façon c'est le bon play, le premier avait fold, faut pas être héros, on n'est pas dépendant de ce qu'ils ont les autres derrière. c'est ça. Par contre, tu serais content de le sortir quand même, hein. C'est incroyable qu'il trouve deux valets quand même derrière. Ouais, mais tu vas faire l'as, là. Non, Allez, je vois pas, non. C'est plus, non, je un crois as au flop, as, 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 as. pas. Appelez l'as dans le chat, les gars, il va tomber si vous l'appelez. Ah, le pot, il fait 16 millions, c'est ouf. Incroyable, As au flop, Grégouze.
Bah. Ouais, mais après, il y a Turn River. Ah ouais, c'est pas fini. Surprise! Deux, trois, quatre. Oh là là, turn dame. Ouh là 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 là, il fait open-ended. Ah ouais, il vibrait lui, hein. Ouais. Incroyable. Un Ah, ça le relance. salaud Bon, lance, d'un coup que tu contrôles pas, on s'en fout. Spot suivant. Ok, merci. nouvelle visualisation sur le classement. 38 blindes contre 34, 12 et 11. Du coup, t'es repassé deuxième. Là, t'as beaucoup de pression ICM sur ton dos, là, Grégouze. Ouais, juste m'absenter 30 secondes. Yes, vas-y, vas-y, je vais dérouler, t'inquiète. Du coup, nouveau coup ici. Yosefi au bouton, 10 et 5. Il fold. Dolph en SB avec 11 millions, donc c'est 11 blindes. Ici, là, c'est embêté. Il fold direct. Bon, Grégouze qui prend avec As-2. Un petit walk. Il regarde sa main, Grégouze. Moi, j'aime pas, je sais pas vous les amis, mais moi, j'aime pas en live regarder ma main quand tout le monde a fold et que j'ai pris un walk. Je me dis toujours, si tu regardes ta main et que t'as les As, ça va plus te frustrer qu'autre chose. Alors qu'en fait, vu qu'ils sont, quand ils ont passé, que vous aviez les As ou pas, on s'en fout, quoi. Ça changera pas le cours de l'histoire, mais je préfère ne pas regarder dans le doute. Pas que ça impacte. C'est pas que ça m'impacterait, mais c'est juste, bah, il y en a plein qui ça va déranger. Ils vont se dire, ouais, j'ai les As, quand j'ai les As, tout le monde fold. Pourquoi? Toute ma vie. Ah voilà, si vous avez ce comportement-là après avoir regardé votre main dans ces situations-là, la regardez pas du tout, je pense que c'est mieux. Ça vous impacte. Ok, un nouveau très beau plan du dessus. Avant un nouveau coup, toujours 4 left. Ok, Yosefi, qui est stupideur, en cut-off, face 5 off, il va toujours open. Ok, Dolph au bouton avec paire de 3. Bon, il est décidé dernier, il doit push. Ok, Greg a deux valets derrière, incroyable. Moi, je pense qu'avec les paliers à la place de Greg, c'est mieux de coller. Voilà, comme il a fait. Et si au cas où Yosefi fait tapis, passer, parce que Yosefi, sa range, ça va être que 2 dames, 2 rois, 2 as. Même as, dame, suit, c'est même pas sûr qu'il le prenne. As, roi, off au minimum. Très bien, Grégouze. Il y a eu un open de Yosefi. Shove du mec à ta droite là. Et t'as pas re-shove, t'as just call avec les valets. C'est très bien ce que je disais. Il vaut mieux que tu just call et que tu re-shove pas au cas où Yosefi avait une main sur l'open, tu vois. Le moment où tu peux call fold pour le palier, tu vois. Même si deux valets, c'est chiant, mais. Moi, je regarde comme j'attends mon tour pour gagner du temps sur ma réflexion. Hello, bon dimanche à tous. Merci, Black Buller. Toi aussi, bon dimanche à tous. Bon, du coup, il faut tenir à les coups importants. Deux valets Du contre coup, paire faut de 3. frapper, je crois. Deux, 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 deux. Belle brique à la turn. Sauf que c'est un pic, mais Le réfléchir jusqu'au bout, le Dolphin bon. Recu. Oui. Oui! Let's go! Tu peux vraiment fold, call fold de Gigi, je pense pas. Bah après, c'est chiant, mais bon, c'est le palier, il vaut une tonne. En vrai, je pense faire tapis direct alors que Yosefi, ça va être quoi sa range si on call 11 millions et qu'il shove? Il va jamais avoir, je pense, 10-10, 9-9. C'est même pas sûr qu'il le prenne avec As-Dame off, genre ça va être As-Dame suit. Deux rois, deux As, deux Dames, As-Roi off quoi. Je finis 20e de ce tournoi, c'est vrai. Je prends les Dames contre les Dames et les 4 par le second. Ah Allez. ouais, c'est vrai, Balter. Incroyable, bravo à toi. Ah si Et on peut du coup, pas call fold, vaut mieux shove dans ce cas-là, hein, on en l'a pas pu taux. interpréter, alors du coup, Balto. Hein? Ah, je sais pas, il a pris combien du coup en finissant 20e? On ne sait pas. Un cas et demi, je pense. Ouais, c'est pas mal. Du coup, nouveau spot, t'es en SB. Il a open au bouton Yosefi, t'as flat. Ça me va très bien. Flop roi valet 3 avec un flush draw. Ah, il a pris 2K. Ah, bah bravo, Baltor. Incroyable. Deux.
Du coup, flop roi valet 3, il va se mettre une tonne Yosefi avec des mains que tu domines, dame 10, dame 9, 9, 10, as 10, as dame, flush roi cœur, je pense qu'il faut call. On a backdoor straight draw, flush draw. Turn as, bon parfait. Ça donne deux paires, c'est une turn sur laquelle il va continuer à plier avec des 10x, des dames x, des flush draw. Ok, il a check. Bon, quand il check à la turn, je pense qu'il est capé. Genre, le haut de sa range, c'est dame 10. Genre, quinte. Deux paires, il aurait deux barrels. Brelan de roi, brelan de valet, il aurait deux barrels, je pense, très souvent. As valet, as roi aussi, très souvent. Au mieux, souvent, il représente un roi. Paire de dames, paire de deux, des valets, des trois, des hauteurs ou des give-up. Tout ce qui est 10x, dame x, flush roi à cœur, ils vont souvent servir de cet as-là pour te faire fold des trois, des valets, des pépés que tu pourras avoir, des straight draw, des flush draw, en appuyant sur cette turn en semi-bluff. Du coup, souvent, il est capé sur de la showdown, des abandons. J'étais en table télé pendant 4-5 heures avec l'Israélien. Ah, on se voit peut-être au BPC à Namur. Ah bah ok, bah bravo Baltor. Pas de problème, merci à toi. Du coup, tu réfléchis Grégou, je pense qu'il faut value, il faut value petit. Là on voit pas la river, en vrai ils l'ont affiché, mais c'était un 5, non? Une brique. C'était pas 57. Moi je pense qu'il faut value petit. T'as des bluffs, genre dame 10, dame 9, flush draw, mais il va pas coller avec un roi, il est trop capé sur un roi. Et ça colle. Ouais, il a snap call, bon, en même temps t'as des bluffs, mais tu auras peut-être pas fait sizing, c'est peut-être pas ça. Et il a call muck, un coup important que tu win. Ouais. Nouveau spot. 29 shoot au bouton. Vous êtes 3 left. Ah, il y a eu un buston, on l'a pas vu. Il y en a un qui a sorti un mec, Grégo, sur la situation. C'était pas toi. C'est peut-être Yosefi. On n'est plus Ah, si, non, trois c'est bah, si, là. c'est toi qui as sorti le mec à ta droite là. Moi qui l'ai sorti un. Ah, ouais, c'est toi, je dis des bêtises. Ah, parfait, du coup, t'open ici. OZ en SB avec A7. Ah, il est dernier, en vrai, il va push. Les blindes, c'est 500 000, 1 million. Il a 10 blindes là. Ouais, je crois qu'il faut, non? Je me trompe pas. On a école. Et la flat. Et la flat, là, Ok, c'est bon. Yosefi rajoute avec As-3 suite à carreau. Donc, souvent, quand ils ont 10 blindes comme ça et qu'ils collent en SB, ils ont des mains en gros soit 2 As, 2 Dames, 2 Rois. Leur range, ils sont capés entre soit des premiums 2 As, 2 Dames, 2 Rois qui veut induce et pas te faire fuir pré-flop et pas shove qui veut induce post-flop, ou soit des mains pas assez fortes pour shove pré-flop, pas assez faites pour passer, tu vois. Donc, en gros, des As-6 suité, As-6 off, pocket pair, brodé suité, brodé off, connecteur suité pour certains. Donc, moi, j'aime pas du tout à sa place quand même, surtout en SB, As-7 off, sans aucune jouabilité. Ok, multiway, le board. Flop, roi 9-5. Bon, l'avantage de range, il est quand même pas mal chez toi. Après, ici, en SB, il a pas mal de brodé suité, hein, OZ, là, hein, s'il échauffe pas, genre les rois 10, rois valet, roi dame suit. Je sais pas, il peut avoir des 9x, genre As-9, Dame-9, je pense que c'est un board que tu peux checker en vrai. Ici, quand tu sais bête, c'est pas trop si t'es en value ou en bluff, si tu te fais coller par un des deux, tu as beaucoup trop de check la turn à part un 9 ou un valet. Et si t'étais largement devant des mains qui n'ont rien, genre paire de 8 à paire de 2, des 5, t'as pas besoin d'une tonne de protection. Surtout avec ton combo, tu bloques les mains que quand tu check ici, tu as capé ta range et qui vont beaucoup semi-bluff à la turn, tu vois Grégou, genre valet 10, valet Dame. Tu les bloques beaucoup, du coup je pense que c'est quand même mieux check flop et ça refait check check à la turn bête. Après là je comprends, hein, je pense que ce sera pas une erreur de ces bet range, mais vu les positions assez faibles, je pense que tu peux te permettre de checker au flop. Pour te situer. Commencer à bet à la rigueur tes meilleurs 9, tes 10-10 valet valet dame dame et tes meilleurs rois, enfin tes rois et tes meilleurs rois et tes meilleurs semi-bluffs, des mains que tu peux beaucoup de barrel. Ok, spot suivant. Yosefi en SB. Il limp. T'es en bébé avec Dame 3, bon il est deuxième, t'as pas mal de pression ICM à lui mettre, de base c'est une main que tu peux check back, Dame 3 les hauteurs, tout simplement parce que ça a assez de showdown, après là si tu la transfo en bluff pour le coup avec le short à ta gauche, c'est un peu la déviation que tu fais à travers la pression ICM que tu lui mets, parce que là il va avoir des Roi 6, Roi 7, Roi 8 off qui doit limp call de base, que là il va être obligé de folder, ça a quand même de l'intérêt de commencer à isoler Dame 3 off si on fait fold ces mains là, voilà c'est anecdotique vu que... Il n'avait pas Roi 7, Roi 8 off, mais tu vois, par exemple, il limp fold Dame 10 off.
pour l'exemple. Donc si de base c'était une situation normale, il n'aurait pas limfold fold Dame 10 off. Hein. Il aurait Ah, limcall, donc c'est pareil quand il a Roi 7, Roi 8, Roi 9, Roi 6 off, il va peut-être limfold aussi, donc c'est pas mal de raise cette main. Là il open au bouton, bon toi t'es en SB, t'as 9-5 de carreau, t'as pas de bloqueur pour le 3-bet. Je pense faut juste folder, être patient, t'as des meilleurs spots. C'est parfait ouais. Grégouze. Et en BB, ah il fait tapis en BB, avec paire de 4, snap call de Yosefi, ah là là c'est parti. C'est le flip. C'est le Du coup, là pour le coup, est-ce que tu te souviens un peu comment t'étais? Genre là, tu voulais absolument que Yosefi il bust ou qu'il double? Moi, je me demandais ça, tu vois, quand j'avais vu le coup. Bah, ça me dérangeait pas qu'il double. Moi, en fait, je pense que c'est mieux s'il doublait. Hein. Ouais. Le OZ, ouais, parce que je pense que techniquement, il était moins bon que Yosefi. Pas De si ça. tension aucune, et puis que plus ils allaient avoir le stack égalité, plus t'allais pouvoir appuyer dessus, tu vois. Ok, le flop, 8-6-3. Et t'as vu, il est pas stressé, hein, Yosefi. En tout cas, il le montre pas. Hein. Il est serein, le mec. Hein. Il est assez tranquille, le gars, tu vois. Je trouve que c'est bien pour les gens de live. Il est assez posé et tout. Turn valet, ok. Yosefi qui joue que les As ou les 7. Ce sera double up. Il rigole et tout, il est en détente. Hein. Ah la vache, 7 river. Bon, du coup, c'est HU. Tu prends le palier. Bravo à OZ pour sa paire, c'est beau. Du coup, assuré de 30 et quelques mille euros là pour la deuxième place. Et vous jouez pour 60 000 plus le ticket à 10 000. Gros Deuxième, HU hein, c'est qui vaut une tonne. 45. Hein? 45, le deuxième, pas 35 plus le ticket à Ouais, c'était à 45 avec le ticket. Ouais, c'est vrai, si tu comptes le ticket. Donc 60 blindes contre 33. C'est parti le HU sur 500 000, 1 million. Ah, pour l'instant, il y a plein de spots intéressants, c'est cool. Premier spot du HU, t'as 4 et 2, tu veux faire quoi ici, Grégouze? Contre un stack de 30 et quelques blindes, du coup? Ouais, tu veux relancer Pola, tes meilleures mains, tes pires mains. Je pense que si on fait 2 blindes et demi, c'est pas sûr qu'on ait assez d'effets sur la majorité de sa range. Là, quand tu vas 3 blindes et demi, même si t'es en BVB, enfin entre guillemets HU, mais que t'as le bouton, tu peux encore le faire avec tes meilleures mains, tes pires mains, ça me dérange pas. Pour faire fold des meilleurs auteurs, des vieilles auteurs 5, auteurs 6, auteurs 7. Bon, t'as fait 4, j'aurais fait plutôt 3,5 contre 30. Peut-être sur l'affichage, tu pensais qu'il avait 40. C'est bien. Valet 8 suit, il open. Ouais, tu vas défendre ici. Le 3-bet fold se fait, mais on préfère utiliser des combos en off, quitte à 3-bet fold, genre des A6, A7, A8, A9 off. Des mains où on jettera moins l'équité en l'air de notre jouabilité post-flop. Quand on va 3-bet fold, que quand on a As-3, As-4, As-5 suité, ça fait quand même, entre guillemets, plus chier 3-bet fold cette main que As-6, As-7, As-8 off, tu vois. C'est au cas où 4-bet all-in, mais c'est bien, t'as défendu. Ok, le flop. Roi 6-6. Bon, un board qui va c-bet range une tonne. Board pairé est censé bet très small. Genre un quart. Les boards péri ou les boards très secs, je pense qu'il va c-bet avec beaucoup de mains que tu domines, des hauteurs valets, hauteur 10, hauteur dame, des hauteurs 9, toutes les mains qui ont rien du tout. Évidemment, il va c-bet aussi avec des rois, avec des 6. Mais je pense que t'as backdoor flush, t'as hauteur as. Ouais, il a fait un tiers. C'est petit size, ça me va. Je pense qu'il faut que tu colles une fois, Grégouze, t'es d'accord? Ouais, Ce que t'as exactement. fait sur le moment. Il a envoyé une pilasse avec sa main comme ça. Prendre son temps et coller tranquillement. Turn roi, très bonne doublette, car maintenant les mains comme les mains qu'il a, à peu près les valets 8, dame 8, dame 9, roi, je sais pas, dame valet, valet 10 et tout, avant check, parce que toi tu peux avoir des 6 et des rois, lui aussi. Il aurait check aussi avec un roi, je pense. Du coup, avec hauteur as ici, je pense que si tu check, il va pas transformer une tote, vu que tu peux représenter encore des 6, que t'aurais peut-être pas seen value, tu vois. Non, il y a trop de check-back. Et je pense que tu te feras jamais coller par moins bien. Du coup, là t'as blocking bet, mais je pense à ta place, j'aurais checké, tu vois. Non, mais il y a trop de check-back. Ouais, mais il a encore le droit d'avoir un 6, il a le droit d'avoir encore un roi, il a le droit d'avoir encore paire de 7 à paire d'as, tu vois. Il a pas que des abandons quand il check la turn, genre il va check range, je pense, tu vois. Qu'il ait un 6, un roi, 2-7 plus, je pense qu'il doit check à la turn, tu vois ce que je veux dire? Du coup, il a encore des mains qui te dominent, donc je pense plutôt check, c'est mieux. Merci.
Bon, 17-2 ici, tu peux encore le pola là, même si t'es au bouton, s'il n'y a pas trop de réaction. Tes meilleures mains, tes pires mains. S'il est un peu moins profond, tu peux faire 2 blindes et demi. Sinon, tu peux toujours rester dans le 3 blindes. 3 blindes et demi, s'il a genre dans les alentours de 30 blindes. T'as fait quoi, 3 blindes? 3 millions? 3 millions et il défend valet 8 avec 28 blindes en tout. Intéressant. On espère avoir un flop à l'avantage de range chez nous, qu'on puisse se bet range. Flop à 5-3 comme dans un rêve, Grégouze. T'as gutshot au terrasse. Tu peux se bet range ici, lui faire fold tout ce qui n'a pas touché le board. Des hauteurs 10, meilleur que toi, hauteur valet, hauteur dame, des hauteurs rois sans backdoor. Mettre pression à D5 et à D3 qui défend au flop en deux barrelant toutes les turns qu'on ait touché ou pas. On a le droit d'avoir tous les meilleurs as que lui, il aurait 3 bêtes. As, dame, as, roi, 2 as, as, valet. 2-7, 2-8 plus que lui, il aurait 3 bêtes. Donc voilà, très bien. Tout petit size au flop. Grosse fréquence de ces bêtes, petit sizing. Ils ont peut-être deal à 2. Non, ils n'ont pas deal, Olive. Hein. Là, ils se sont entretués avec des couteaux dans les dents. Interdit de Ouais, c'est bilan. interdit de deal en live, là, je crois pas. Ok, nouveau spot, à 5 au bouton pour Yosefi, et là 23 blindes, 23 millions, non maintenant c'est 600 000, 1 million 2, donc il a 19 blindes, ça s'est resserré en termes de stack size, du coup il a une stratégie de limp, ce qui est normal, 20 deep. Possible à push cette main. Bon toi, valet 9 ici, je pense qu'il n'y a qu'un play, c'est check back. Bien Grégouze. Si on iso, on serait pas assez, on fera pas fold assez mieux que notre main, si on iso, à part des vieilles hauteurs dames, hauteurs rois, des mains contre lesquelles on l'aurait bien joué en position, en checkant, et on n'a pas envie de s'isoler contre sa range forte, limp re-raise. Qui limp re-raise all-in et qu'on qu abandonne l'équité de notre main, post-flop, valet 9 off. Flop 5-3-2. Avantage de range plutôt chez toi que chez lui. Après, il a quand même pas mal de 5, de 3 et de 2 en suité. Essayer à ce spot, c'est horrible ce En que j'ai fait. off. Ah, il a bet. Bon, là, je pense que t'as pas de décision, hein, c'est fold. Hein. Ah, c'est pas bien. Ok, on voit que tu réfléchis. Non, c'est une grosse erreur que je fais à ce moment-là. Du tournoi. Ah, tu prépares des jetons pour raise là. Ouais. T'as des meilleures mains à raise que valet 9 off d'ici. T'as des 4x, des 6x, des flush draw, tu vois. Des 6-7. Tu peux raise 2 paires, 5-3, 5-2, 3-2. C'est une range BVB qui est limpée. Donc au final, les ranges sont tellement larges, tu vois. Enfin, HU et polympé. Donc je pense que t'as des meilleures mains à transformer que valet 9 ici. Tu vas 2 barrels. Ok, tu peux 2 barrels les carreaux, les straight draw qui sont rentrés. Mais t'as des meilleurs combos à transformer que celui-là. T'as aucune jouabilité. Ok, il a annoncé tapis. Bon, t'as pas de décision. Heureusement qu'il fait tapis dans ce spot-là, enfin sans être héros, hein, qu'il just call pas, hein, parce que t'aurais pu Il t'empaler. Hein. doit call. Hein? Il doit just call aussi. Non. Ouais, je pense que je chauffe pas à sa place, mais après, avec ce qu'il y a au milieu, bon, c'est pas une erreur. Hein. On a un peu de protect et tout. En fait, lui, les paires de 6 à paire d'as, tu les as pas, tu vois. Sauf quand tu trappes, mais tu les as chauffe pré-flop vu que c'est 19 deep. T'as le droit d'avoir 6-4, t'as le droit d'avoir 5-3, 5-2, mais il le bloque quand même les 5x, tu vois. En vrai, je comprends son shove, mais heureusement qu'il te slow play pas, t'aurais peut-être fait une erreur là. Après, tu serais peut-être arrêté, hein. Je pense que t'as des meilleurs combos. Et ce que tu m'avais dit après coup, quand tu raises là sur le moment, tu te dis qu'est-ce que je suis en train de faire? Bah Bah, dans ce cas-là, réfléchis 5-10 secondes oui. de Ouais, j'ai plus, pas enfin, c'est réfléchi. important, tu vois. 9-5, 600 000, 1 million 2, je pense que tu peux la limp celle-là. Hein. 9-4, 9-3, 9-2, raise, mais pas 9-5 off plus, je pense, t'as le droit de la limp. Ah, t'étais toujours dans l'agression, Tout le temps, ouais. hein. Ouais, je pense que Voilà. t'as des combos quand même un peu plus faibles, hein. C'est quand même bottom, tu vois, mais... Pareil, tu restes pas là, même si c'est bouton. Il a 28 millions, t'as fait 3,5 millions, il a très bien pour le size. Et il a flat, 8-6 off. Bonjour, salut, oh my god. Pa, 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 pa. Ok, le flop va arriver. Flop As-7-6, parfait. Avantage de range chez toi, t'as une gutshot, tu peux faire fold des mains meilleures que la tienne si tu sais bet. Hauteur 10, hauteur valet, hauteur dame, hauteur roi, tu peux 2 barrel toutes les turns vu que t'as gutshot.
Tu pourras mettre des pressions sur des 7, des 6 qui vont call une fois chez lui, des paires de 5 à paire de 2 qui n'ont pas shove préflop chez lui, même si la plupart du temps il va shove. Du coup, tu as besoin de ces bêtes plus chères qu'un tiers pour faire fold les hauteurs 10 à hauteur roi. Ok, il a call le c-bet, c'est normal, il bat toutes les mains qui ont rien chez toi qui vont c-bet range. Tant que t'es touché ou pas à la turn, tu vas te barrer le Grégouze. Encore plus sur celle-là. Turn dame, celle-là elle est parfaite parce que maintenant t'as toujours gutshot, mais maintenant cette dame tu peux t'en servir pour faire fold des mains meilleures à l'adversaire, des 7x, des 2, des 6x, des mains meilleures que la tienne évidemment. S'il a pas shove, préflop, paire de 5 à paire de 2 qu'il a call une fois, il va toujours fold. S'il a des mains comme 9 et 8, il va être très embêté, 9 et 10, il va folder, des mains meilleures que la tienne, du coup 2 barrels, en lui mettant une bonne pression. Après là avec son stack et ce qu'il y a au milieu, t'as pas besoin de faire plus cher. Ah, tu peux faire un bon petit 2 tiers, tu vois. Mais au niveau des profondeurs, tu pourrais faire plus petit, même s'il y a 2 flush draw de base. Parce qu'au niveau des profondeurs, pour 3 barrels en value, genre avec des As-Rois, des As-Dames, t'aurais pas été obligé de faire 2 tiers ou pot, tu vois. C'est Vu les ça, j'ai pas profondeurs qui fait. lui restaient. Mais après, bon, t'as pas pensé à ça sur le moment, mais. Je pense que c'est Si. bien. Le but, c'est de mettre de la pression sur des 6, des 7. Il peut tout simplement rien faire. En plus, lui, avec son 8 et 6, il a le pire bluff catcher ici. Il bloque les 8 de pique, les mains que tu pourrais bluffer, genre 8, 9, 8, 10 de pique. Et avec son 8, il bloque les 8 et 9, 8 et 10, 8, 5, que toi tu pourrais aussi bluffer à la turn. Donc il a un bluff catcher alors qu'il bloque les semi-bluffs naturels des joueurs ou les bluffs. Du coup, c'est pas ouf de coller à sa place. Du coup, parfait. Comment tu fais pour deviner les cartes, lol? Tu es un dieu. Merci, oh my god. Greg, du coup, 60 blindes contre Yosefi Coed, 19 blindes. HU serré, blindes 600 000, 1 million 2 toujours. Pas mal d'avance sur lui en termes de stack, Grégouze. On est bientôt vers les derniers coups, les amis. Je vous spoil le pas, évidemment. On vous dira pas quand ça finira, mais c'est bientôt la fin. Préparez-vous. En tout cas, il y a quasiment 100 personnes là sur le Twitch. Merci beaucoup, les amis, du soutien. Un dimanche. Fait plaisir. Illy, MPC, Roi 6. Toi, t'as 7 et 2 ici. Je pense qu'il a 18 blindes deep. Quand t'as 2 as, 2 dames, 2 rois ici, tu fais quoi? Tu chauves ou t'iso? Iso. Et s'il a 18 blindes, tu fais 3x. Donc tes pires mains ici, iso aussi, je pense. Tu pourras faire fold des vieilles hauteurs 8, hauteurs 9, hauteurs 10, hauteurs valet, hauteurs dame, des vieilles hauteurs rois. Je pense que t'as pas besoin de faire plus cher que 1. C'est quoi les blindes du coup? C'est 1 million 2, t'as pas besoin de faire plus cher que 3 millions 6. Pour l'impacter autant, je pense. Ok, tu réfléchis et hop, ça envoie la pilasse. 3 millions. 3 millions 200 000 t'as fait? 3 millions 7, un peu cher. Ok, il a limp call, roi 6. Bon, de base, c'est un limp fold chez lui, mais sauf si t'es très aggro. Après, il l'a peut-être vu, tu vois. C'est que t'étais beaucoup pola, donc on crée une range pola, c'est bien. Matt, tu es le meilleur des streamers. Lorsqu'on voit où arrivent les joueurs que tu coaches, c'est super. Merci, Lich Money. Merci beaucoup. du coup, avantage de range chez nous ou pas? Allez, 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 allez. Ouf. Valet 4-2, c'est pas mal, Grégouze, faut c'est bête, hein, faire fold les mains qui n'ont pas touché, les hauteurs dames, les hauteurs rois, les hauteurs as qui n'ont pas de backdoor, straight draw ou flush draw. Faut pas te dire, voilà, j'ai un 2, je vais le showdown, il faut c'est bête range comme l'aurait fait ta range avec tes meilleures mains, tes 2 dames, 2 rois, 2 as, as valet, roi valet suit, tout ça. Du coup, c'est bête un tiers, pas besoin de faire plus cher, 2 millions et quelques, 2 millions 6, 2 millions 5, 2 millions 6. Grégouze, ça fait 2 millions 6. Il est là! Oh là là! Et du coup, Yosefi, incroyable ce coup qui commence à float. Ok. Ce que les gens ne savent pas, c'est que j'avais Mac dans l'oreillette. Ah ouais, en plus avec le décalage, c'est impossible du coup avec le décalage. Et en plus, c'est pour ça qu'ils interdisent les téléphones, les gars. Parce que même avec le décalage d'une demi-heure, je crois qu'il y avait une demi-heure de décalage. Bah si moi j'envoie des infos à Grégou sur les jeux et que lui regarde son tel, bah il a un avantage quand même sur les autres. Donc ils enlèvent les téléphones, ça je trouve c'est bien, tu vois. Ça laisse une parité pour chacun. Moi, j'avais envoyé des messages à Grégouze pour l'encourager, qu'il a vu qu'après le tournoi, quoi, du coup. Du coup, turn As, Grégouze, faut s'en servir pour 2 barrels. Faire fold des valets, des 4, des meilleurs 2 que toi. Il a le droit d'avoir As-3, As-5, mais toi, t'as le droit d'avoir ses bêtes As-valet, As-dame, As-roi, As-10. T'as le droit d'avoir encore des brelans de valets, des 2 As. T'as 2 barrels. Quand je fais petit, la Ouais, profondeur. pour en mettre 3, ouais. Je trouve que c'est bien.
Et du coup, Yosefi qui a roi 6. On comprend pas trop un peu le play là. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, Je représenter? Il comprends a pas. voulu te call deux fois pour. Je sais pas, il t'a float deux fois pour représenter une main. Ok, du coup, il a call deux fois. Et le pot, il est énorme là. Incroyable. Et là, sur ce coup, Grégouze, là, tu te rappelles un peu ce que tu te dis ou pas quand il te... Tu sais que t'en envoies 3 là, peu importe la river ou pas? Pas plein, ouais, Si ça c'est une brique, dépend genre, pas. si c'est un 8 de. Un 8 de pique, un 8 de carreau, genre, tu fais quoi? Give up? Non, je pense que je chauffe quand même. Ok, ouais, t'en auras mis 3, mais le pire c'est que. Genre, imagine, river ça fait genre, je sais pas, une des pires pour toi, genre dame de pique. Ouais, dame de pique, T'aurais checké? je chauffe aussi. Hein. Ouais, tu l'aurais chauffe aussi, ouais. Ouais, pour Ah faire ouais. fold des valets et des 4, des as. Ok, Ouais. ouais, là, tu chauffes toutes les rivers, quoi. Ok, voilà, du coup, bah, le plan de float par Yosefi, du coup, c'est pas ouf. Sans Bon, hétéro, moi, enfin, il savait pas que Greg allait dans tous les cas barrer le river, quoi. du fait qu'il colle deux fois, je crois qu'il a beaucoup de valets là-dedans. Ouais. Moi, Oh il a là beaucoup de là. valets. Incroyable. Probablement. Du coup, river te retrouve avec deux paires en value. Ouais. Incroyable, bah, chauve, hein, du coup. Bah, lui, à Ouais. flotte deux fois, il va se dire, qu'est-ce que c'est? Il va pas comprendre, hein. Ouais. J'adore, là tu baisses le truc pour dire all in. Aïe aïe aïe. Ah ouais, il est surpris, hein. Regarde. Il T'as vu? comprend Regarde. bonjour, salut Wikri-Cri. Ça va? Salut Wilfred. Et du coup, gros coup là, du coup, Grégousse, tu prends un peu l'avantage là. ouais. 80 et quelques millions contre. Il doit avoir du coup plus que 15, 20, 15 millions. 15, 20 millions. Ouais, il y avait 15 millions, je crois, lui, 15 en millions, ouais. fait. 9-4, du coup, tu peux encore respo là, hein. Ouais. Est-ce que je l'ai fait ou pas, je sais plus. Tu peux aussi avoir une stratégie de limp, t'aurais beaucoup limpé. En vrai, ce spot. Ouais, t'as limpé, ça me va. Petit Il a, dit, je ah vais ouais, il lui a en laisser 7 un quand millions, même. ouais, t'as plus assez pour que tu raise quand même. Ouais, Ouais. bon, avec 7 millions, c'est limp ou fold, mais je pense que j'aurais foldé direct à ta place, tu vois. Ça n'a pas une jouabilité ouf. Ah ouais, c'est clair. Même si tu vas limp tes meilleures mains, tes pires mains, Ouais. tes pires mains, t'es pas obligé Okay. d'équilibrer, tu peux limp des mains plutôt compactes. Alors, attends. Ok, il a limp. T'as 9 et 2. Ah, pareil, là, le truc, c'est que c'est chiant, mais bon, tu peux quand même caler sur 600 000, 1 million 2, tu peux caler un 2 million 5 et folder, tu vois. Tes meilleures mains, tes pires mains. Lui Fait faire choix fold, de lui fou. faire fold des meilleures hauteurs. Ah ouais, t'as pris tes jetons, il a déjà fold. Incroyable. Elle en a eu marre. Elle s'est dit, Et vas-y, là, il c'est meurt à bon. la fin. Ouais. Attendez, c'est parce que. Je crois que la vidéo elle bug un petit peu. Niveau de l'affichage. Ok, Roi 8 off au bouton. Ouais. Bon, je pense qu'il a plus que 6-7 millions, c'est tapis, hein. Ouais, Pour j'en 5-6 pense. blindes. Ok, il peut rien faire. Aya, salut GTO, ça va ou quoi? Roi 6 suité au bouton. Tapis pareil pour 5-6 millions. On voit qu'il hésite là avec 10 et 8. Assez embêté, hein. Je pense après c'est mieux de folder à sa place. Ça imprime les billets, là, Grégousin. Ouais. Mais une grosse pression. Bon, à 6-8 à pique. On y est encore. Allez, contre Dame 4, balle, première balle de match. Allez, Grégouze! Allez! Let's go! Allez, let's go! Ouais, il a l'air gentil, hein. Ça a l'air quand même d'être un bon gars, hein. Il y a ses filles quand même, hein. Ça se voit, il est tranquille et tout. Ouais.
Ok, flop roi dame 9. Pas ouf du coup. Tu joues que les as. Turn 5. Allez, un as river. As ou rien. Ah, river 8, dommage. Nouvelle balle de match, du coup, Grégousse, tout est à refaire. Dame 8 au bouton. Bon, il a combien de jetons là? Le mec en face, 10-12. Ah, toujours 6 millions. Ah, bah non, toujours 6 millions en fait. Il était vraiment short, short, short. Bon, tapis du coup. Toutes les dames ensuite et les dames en off pour 10 blindes ou moins. Ah, il a call valet 3, hein. Let's go. C'est en mode, c'est en mode, c'est les spins là. Il s'est blasé là. Ouais. Allez, nouvelle balle de match, dame 8 contre valet 3. Allez, 2, 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 2. Et là, la sensation quand tu joues des balles de match pour gagner le tournoi, la Grégousse, tu te sens comment là? Bah là, je te serai encore Ouais, t'es serein. là. Ouais. Bah pour Ouais, la mais je veux dire, première, tu là. sais, d'avoir la balle de match en main, là. Est-ce que tu te dis, tiens, putain, allez, des briques, t'as Ouais, bah envie d'en si. finir et tout? Ouais, il a tapé une dame dans ta tête déjà, quoi. Ouais. Donc, tu vois, une Valet dame au en flop, horrible. Hein. Valet turn, horrible. Donc, 2, tu 2, passes 2, 2, quoi? 2, 2, 2, ça a pas marché, GTO, dommage. Ok, du coup il remonte à 15 millions, à 12-13 blindes. Bon, roi 4, as 9 off, il chauffe. Roi 4 ici, je pense, pour 14-13, 14 blindes. Le bottom, ça doit être genre roi 10, roi valet off plus, roi 9 suité plus. Celui-là, je pense que je le fold. Ouais. Ok, parfait, spot suivant. Dix-neuf au bouton. Ouais, s'il a 12-13 blindes, je préfère push le valet 10 off. 19 off, je préfère lim quand même. Il va te faire tapis. Et tu vas simplement folder. Bien joué, Grégouze. Bon, là, il a 18 millions. Toujours 15 blindes. C'est 15-16 blindes. Il limp, t'as valet 7. Je pense que c'est bien de limper. Enfin, c'est bien de check back. On n'a pas envie d'iso. Faut pas fold assez mieux que notre main, à part dévier hauteur dame, hauteur roi. Et on va très bien la jouer contre des mains qu'on aurait fait fold si on avait iso. Genre, c'est pire main. Matt, c'est pour quand le tournoi de la team que tu as annoncé bientôt? Aïe, je vais essayer de l'organiser pour bientôt, quelques semaines. Avant Noël, en tout cas, je vais essayer de le faire. Du coup, t'as check Grigou, c'est bien. Flop. 9-7-2. Ok, t'as check. On va qu'il y a ses filles, hésite. Ok, bête. Bon, faut que tu call, tu bats des mains qu'ont rien, valet 10, valet 8, 8 et 10, 6 et 8, 5 et 6, des mains qu'ont rien du tout, genre roi 10, roi valet, dame 10, dame valet, tout ça. Turn 3, parfait. Maintenant tu check, toujours. Tu sais que les paires de 8 à paire d'as, les meilleurs 7, tous les 9. Ils vont de barrel, les valets 10, valets 10, valets 8, 8 et 6, 5 et 6, As 4, As 5 souvent ils vont de barrel. Donc en vrai là c'est pas la meilleure mais il en a pas une tonne non plus. Des As qu'il aurait bête au flop, il n'y en a pas beaucoup quand même. Je pense que tu peux check, ça va souvent showdown. Il te met sur des 9, des 7. On va pas penser.
Ouais, il y a Shodan, Dame 8 et tu gagnes avec Valet 7. Très bien, c'est un bon petit point important ça. Ouais. Des petits coups, mais ça fait plaisir quand tu les prends. Ok, Valet 8, bouton, tu limp. Il a 7 et 3, sa pire main, il check. Ah, vu les profondeurs, 70 millions contre 14 millions, il a pas envie d'isoler, je comprends. Ok, flop 19-5, t'as open-ended, tu peux c-bet, faire fold des hauteurs dames, hauteur roi, il a pas trop d'hauteur as, ils auraient chauffe pré-flop. C'est meilleur 10, c'est meilleur 9, ils auraient chauffe pré-flop. C'est overpair aussi, sauf quand il veut trap, t'as pas besoin de faire très cher. Ok, t'as fait 1 million et quelques, il a snuffle. Parfait Grégo, ça continue à imprimer. Tous les jetons à ranger à chaque coup, là. Ça rend fou ça. Dame 2, il chauffe au bouton. Aïe aïe aïe. Tata As 3, ça va être un call. Tu domines toutes les autres, les bons bros des cités qui va push, genre Roi 10, Roi Valet, Dame 10, Dame Valet suit, les auteurs rois, les auteurs dames. Les As 2. Allez, troisième balle de match. Jamais 203. Normalement, tu la perds celle-là. Allez, Grégouzi se lève là. Allez, c'est important là. Allez, faut le gagner celui-là. Il faut espérer que ça hold. Allez, on appelle les deux dans le chat, les amis. Deux, 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 deux. Enfin, les trois, trois, trois plutôt. Vous avez compris, les petites briques. Ah, parce que là, en plus, s'il double là, là, il revient vraiment. Hein. C'est plus le même, hein, après. Hein. C'est vraiment. Ça revient vraiment. Il a moitié moins que toi, ça va vite après. Hein. Ok, flop 8-8-5. Très bien, allez, on appelle des briques pour Grégouze. Deux, 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 deux. Non, pas deux. Ah là on le veut bien le 2. 2 2 2 Ah 2 oui, 2 ça va, oui. 2 Ah oui. 9 9 9 9 9. Allez une brique pour Grégouze. Et oui! Oh là là! La victoire! Incroyable! Bravo à Youssefi Cohen pour sa deuxième place. Plus de 30 000 euros. Bravo à toi Grégouze. Incroyable. La sensation c'est ça y est, je l'ai fait. Magnifique Grégouze. Ah là là, Ouais. incroyable, c'est beau. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de la faire avec toi, Grégouze. Je pense qu'on a vu tous les spots qu'on devait voir et puis finalement on a bien apprécié le moment. Je pense qu'on se souviendra souvent de ta petite victoire. J'espère que ça t'a plu aussi, Grégouze, Bah oui, parfait. et que t'as pris du Merci à toi plaisir à faire surtout. cette review avec moi. Tout le monde te dit GG dans le chat. Ouais, merci les gars. T'as un petit dernier message à la commu, Grégouze, à vouloir faire passer ou à dire? Bah ouais, bah après je te remercie toi surtout, hein, puisque tu m'as appris par toutes ces heures de coaching, toi. Voilà, ça m'a fait progresser de ouf dans mon jeu. Et voilà, comme j'ai toujours dit, c'est un peu comme un cadeau tombé du ciel. Voilà, je suis tombé sur ton stream, voilà, et puis j'étais surpris par l'explication de tes plays, donc j'ai pris du coaching, et puis depuis j'ai vachement progressé, voilà. Tu m'as fait découvrir une toute autre vision du jeu, alors que je jouais déjà depuis 10 ans. Voilà, après t'es Incroyable. Bon, en tout cas, bah, ouais, merci beaucoup, Grégoud, ça fait plaisir. J'espère que t'en vraiment. feras d'autres des perfs. Ouais, bah ouais, j'espère. C'est que le début, là. T'inquiète pas, c'est que le début. Hein. Bientôt, ça va dérouler. Bientôt, on ira peut-être faire quelques événements avec Grégouze ensemble. Ce sera pas la Ouais. dernière fois que vous le verrez, les amis. Et Sûr, sûr. puis voilà, on se tient au courant pour de prochaines vidéos, les amis. Avant de quitter cette vidéo, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le référencement, à vous abonner, les amis, c'est gratuit, à mettre la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront, pardon, et sur Twitch, mettre la petite cloche pour être au courant des prochains streams. Et on se retrouve très très vite, les amis. À très vite. Merci à tous d'avoir suivi. Salut. Merci, ciao.